à toutes et à tous. Non, attention, là on va être très très fort, il y a beaucoup de bruit ici, vous l'entendez ? Énormément de bruit, mon liesse, on est du côté de la Bièvre, évidemment, vous l'avez entendu, vous l'avez vu sur les images d'attente. Liesse, salut, comment ça va, mon liesse ? Salut Hugo, salut à tous. Ah oui, effectivement, une très 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 grosse ambiance aujourd'hui à la Dalleur, avec deux grosses formations qui vont en découdre. Ah ouais, ça va être exceptionnel. Et ouais, nous on est présents hein, depuis ce matin. Et alors l'ambiance elle est incroyable, bien aidée par les mecs de l'Abbé hein, qui sont là du côté de Montmélian évidemment, et de la Bièvre hein, pour pouvoir mettre cette ambiance. Ah oui, Montmélian aussi Hugo, ils sont venus très nombreux. Très très nombreux aujourd'hui Montmélian, les fumigènes, on est dans le noir ouais. Total Hugo. Excusez-nous mais là nous sommes dans on le noir. Est un petit peu enfumé. Du noir, du rouge. Là on va mettre les masques à oxygène. Là on est en plein dedans. Là les amis. Voilà, là je crois que on est pas mal. On est en plein dans le fumigène. Bah vous le voyez hein, sur les écrans. Et l'ambiance elle est là. Évidemment. Il y a le feu Hugo. Et il y a le feu. Les pompiers. Il y a le feu. Où ils sont? Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y a le feu Hugo. Ouais, attention, ouais, tiens, liesse Aurillac, parce que la caisse, tu m'as tout cassé, mon liesse, faut l'enlever. Parce qu'elle tape sur le. Elle tape sur le pied, regarde, c'est pas bon. Voilà, comme ça. On est bien, oui, on va essayer de se remettre dedans, excusez-nous, mais. C'est vrai qu'on est. L'ambiance a couplé le souffle. A couplé, là, on a plus de souffle. On a plus de souffle. Avec deux grosses formations, Hugo, aujourd'hui. Énormément de bruit. Très, très, très grosse ambiance, Hugo. Ouais, voilà, ça y est, excusez-nous, mais on a été un petit peu asphyxiés par les fumigènes qui étaient vraiment, vraiment devant nous. Mais vous l'avez compris, c'est un jour de fête, c'est un jour de phase finale ici à la Bièvre. Et puis un jour où la Bièvre reçoit Montmélian, l'équipe classée numéro 1 au national, tout simplement, l'IS, c'est incroyable. Oui, 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 effectivement, Hugo, Montmélian invaincu cette année. 25 victoires, un match nul. Ils vont venir pour leur premier match de phase finale à la Dalleur. Pour voilà, ils vont venir confirmer leur grosse saison. Donc ouais. Ça s'annonce énorme. Alors énorme. On va rentrer tranquillement dans ce match. Alors, évidemment, vous l'aurez compris, il y a beaucoup beaucoup de bruit. Donc on a dû monter un petit peu les micros. Dès que le match commencera, on pourra recaler tout ça. On va revenir en détail sur les barrages, mon ami. Liesse, avec l'exploit quand même des barrages, celui des Castors qui sont allés du côté de Prades s'imposer 30-27 après avoir été menés de 20 points à un quart d'heure de la fin, Liesse. Oui, 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 c'est une très 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 grosse performance de la part des Castors. Menés comme ils ont été menés, revenir en 10 minutes, 15 minutes, ça veut dire qu'ils ont du cœur, ça veut dire qu'ils ont des qualités pour pouvoir faire une fin de match comme attendu. Ouais, donc ils ont voilà. Les qualités aujourd'hui pour pouvoir aussi en découdre et faire l'exploit. Alors aussi. Vous l'aurez compris qu'on s'entend quasiment pas, c'est très compliqué. On est en plein milieu de cette tribune, vous le voyez sur les images ici. Du côté de Saint-Jean-Royan, le match de barrage, il a été gagné contre Villefranche de Lauragais. On l'a vécu ensemble également avec une grosse partie des avants de Villefranche, notamment Loutongo hein, qui avait été tout simplement énorme en troisième ligne. Le Carp s'est imposé 19-10 contre le Stade Pissenlois. Et Balma s'est imposé contre Voiron, a sorti nos amis Voironnais de la compétition. Voilà pour les matchs de barrage. On va revenir sur... Qu'est-ce qu'on a après ? Les matchs du jour des 16e de finale. Allez, la Bièvre donc reçoit Montmélian, Saint-Jean reçoit Millau, comme l'an dernier, parce qu'il y avait déjà eu Saint-Jean-Millau hein, la saison dernière. Le Carf reçoit l'UA Gaillac et Balma reçoit l'US Vinay. Voilà, nos amis vinois qui sont partis hier hein, du côté de Balma pour pouvoir préparer au mieux ce match. Grosse pensée à Antonin et ses hommes. Et pour expliquer un petit peu le contexte, hein, l'IS, les 16e de finale, donc c'est en aller-retour. Le vainqueur donc se qualifie en 8e de finale et ce sera le vainqueur des 8e
qui donc ira en quart et qui pourra monter en fédéral 1. C'est le tour d'après. Il n'y aura pas de prolongation aujourd'hui puisque c'est un match aller-retour. Il n'y aura même pas de prolongation la semaine prochaine puisque dans des cas d'aller-retour, il n'y a pas de prolongation, uniquement des tirs au but direct, à l'inverse des matchs secs comme on a vécu hier où il peut y avoir des prolongations. Donc aujourd'hui, il est important pour les deux équipes de marquer des essais, ça compte, et surtout de marquer les esprits. Et de marquer les esprits et les points terrain. Les bonus offensifs et défensifs comptent sur le cumul des deux matchs. C'est extrêmement important pour Montmélian, peut-être, de prendre un bonus offensif en cas de victoire ou un bonus défensif en cas de défaite. Et pour la Vièvre, exactement d'ailleurs, pareil. Le classement tient pour se remettre un petit peu, mon cher Liès, dans la saison régulière. Ah, on ne peut qu'être admiratif devant la saison de Montmélian. 105 incroyable. Points, 451 de différence pour les Montmélian et Liès. Très, 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 très grosse performance. C'est vraiment incroyable. Je crois que je ne sais même pas si c'est déjà arrivé dans le rugby. Voilà, invaincu en Fédéral 2, un seul nul, et que des victoires. Vinay, deuxième, 95 points. Saint-Jean-Royan, troisième, 81 points. Le Carf, quatrième, 70 points. Vous voyez, la Bièvre qui, au bout du suspense, finalement, coiffera Voiron sur le poteau et terminera cinquième devant Voiron. Derrière Tourmont et Montélimar qui repartiront un étage au-dessous en Fédéral 3. Voilà pour le classement. On va revenir un petit peu prendre l'ambiance. On va faire le tour de nos différentes caméras. Tiens Marc, avec ici le dispositif LSD que vous connaissez. Les 8 caméras LSD. On a également un match du côté de Vienne. Hein. L'équipe est divisée en deux. Une partie est à Vienne, une autre partie ici. Et là, on va pouvoir se régaler ici avec nos caméras. On parlait des 16e de finale. On a un petit tableau, regarde, Alias, qui va récapituler un petit peu tout ça. Et ben, voilà, il est là. Le gagnant de Prades. Le gagnant surtout du match contre Montmélian. Le match Montmélian-Bièvre affrontera Prades. Non. Alors, je vais le dire moi. Le gagnant de la Bièvre-Montmélian affrontera le vainqueur de Millau-Royan. Ce qui pourrait nous donner, mon Liès, et ça, ce serait incroyable, en 16e de finale, en 8e de finale, un match pour la montée, éventuellement un Montmélian-Saint-Jean ou un La Bièvre-Saint-Jean. C'est ça. Donc deux équipes locales qui pourraient se rencontrer en 8e et jouer un match de montée. C'est tout simplement incroyable. De l'autre côté, Gaillac reçoit Saint-Raph et Vinay contre Balma. Vinay qui pourrait, par exemple, retrouver le Carf, même si Gaillac est une très très grosse équipe. Attention à Gaillac en 16e de finale. Ça prouve le niveau de la poule. Hein. Ben oui. Alors on va citer l'arbitre de la rencontre. L'arbitre de la rencontre qui s'appelle le monsieur, j'ai mangé son nom. Hop, il est là. Attends, je vais l'avoir. Bon, je l'ai perdu. Merci, il est là. Charles Despinois qui logiquement sera intégré avec un petit micro-arbitre. Il sera assisté de Karl Michon et de Sébastien Rive. Voilà pour ce qu'on peut vous dire des arbitres. On a le temps, mon cher Liès. On va parler des compositions d'équipe. On vous les redonnera bien sûr en cours de match. On va commencer par celle de la Bièvre. Liès, tu les connais bien puisque, on le rappelle, tu étais dans ce staff en début de saison, Elias. Oui, effectivement, c'est une équipe, Hugo, qui a su grandir au fur et à mesure du championnat, qui a su se construire, et puis ça a marché, ils ont grappillé des places, des points, et aujourd'hui, ils n'ont pas volé leur place, ils le méritent. Grosse performance, comme on a dit tout à l'heure à Prades. Alors on va commencer avec Zamora en 1, l'énorme Rémi Mercury, formé à Renage, Renage Rive en Fédéral 3, Rémi Mercury au talon. Exactement, que tu connais bien. Du volume, de la puissance au talon. Rivelin Falcoz en 3, Yacine Elaouri, pareil, à mon avis, ils ont voulu mettre un peu de volume et de puissance, donc ça va s'annoncer très très chaud début de match. Milanol en 5. Ouais, avec la troisième ligne composée de Grenier, Louis Leno et Broisa en troisième ligne. La charnière avec Alex Wood qui sera capitaine et ton copain en 10, mon cher Liès. Oui, Alex Fontane, Alex Fontane qui est sur un nuage en ce moment, donc qui apporte l'expérience, hein, qu'il est passé par Bourgoin, il a été formé à Perpignan. Mon Alex, donc ouais. En 11, Barazzuti, là aussi, on entend beaucoup à la Bièvre de cet ailier Barazzuti, qui est la révélation de la deuxième partie de saison ici chez les Castors. De l'autre côté, Javix qui a passé la pénalité de la gagne du côté de Prades, Maclé et Julien. Tiens, il a des supporters. Jos Julien.
Et Paul Guénan à l'arrière, la rapide Paul Guénan sur les remplaçants Pilot, Perrault, Dorès, Leroule, Rieux, Giovanni et Le Gall pour cette équipe entraînée par Valérie Marzullo et Laurent Cafter. On va passer maintenant à la Big, la Dream Team de Montmélian, composée d'une première ligne avec Jouty, Perrou, son pilier, De Martino, hein, qu'on avait sur le plateau, qui fait partie des trois meilleurs avants de la Fédérale 2, élu par les coachs, le talon, Irvan, De Martino, Aaron et Voûte. Et là, on a un Voûte de chaque côté, c'est un petit peu l'histoire de ce match. Alors Voûte, on le met numéro 5, mais je crois qu'il portera le numéro 23 parce qu'il ne rentrait pas dans le 5, mon petit Maxime. Dems, Arnaud et Désiré en troisième ligne, la charnière, et là c'est du très 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 haut niveau. Chambon, Hogg, Bétan et Chabat, qui va très très vite, Samy Chabat à l'aile, Galmar et Betchem au centre, et Théo Marini, ancien joueur de Annecy, enfin Montmélian, est passé par Annecy, qui est revenu à Montmélian, qui va très 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 bon joueur également, hein. Cette ligne arrière, probablement une des meilleures lignes arrière de la Fédérale 2, avec Boafou, Baru, Novel, Roéa, Laurent, Morel, Lafontaine et Terrier pour cette équipe de Montmélian, qui est entraînée par... Alors il me manque un nom, parce que c'est pas... c'est Anthony Forest qui me manque, avec Romain Olivetto et Batandier. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de Montmélian. Tiens, je passe le bonjour à mon ami William Gauzy, jeune cadet de 40 et des poussières, qui est là. Voilà, on va pouvoir enfin rentrer tranquillement dans ce match. Liès, on va regarder, on a les joueurs de la Bièvre à l'échauffement, hein, vous les voyez, ils sont là. Alors malheureusement on n'a pas ceux de Montmélian qui sont allés s'entraîner, s'échauffer sur le terrain annexe, hein, Liès. La Bièvre qui est très très concentrée, très assidue sur leur travail depuis ce matin. Ils ont fait une petite mise au vert ce matin, ils sont ensemble depuis ce matin, ils sont très concentrés, ils savent que c'est un match qui peut être à leur portée, donc le petit détail compte, être ensemble. Et voilà, regarde, on voit l'image encore, ils sont encore ensemble. Ah ouais, avec le discours du coach Valérie Marzullo, que tu connais bien évidemment, Elias, puisque tu étais coach avec lui du côté de Renage, hein. Cyril Martinet qui nous dit Marini, il est également passé par le SOU Albertville. Valérie Marzullo, tu le connais, on le présente plus. Valérie, il a bonifié quand même pas mal d'équipes dans lesquelles il est passé. Il sait prendre les gens, il sait faire. Là, le discours, chaque mot est très important. Chaque phrase, chaque geste est très important dans le détail. Et Valérie, ça c'est son point fort. C'est vraiment son point fort. Alors encore une fois, on ne peut pas vous montrer pour l'instant Montmélian parce qu'ils ne sont pas encore sur le terrain. Ils ont décidé de s'échauffer, hein, de l'autre côté du stade. Le regard des mecs, le regard des gars, Hugo. On dit beaucoup le regard, les supporters. Ah ouais, c'est la fête du rugby aujourd'hui. La fête avec une grosse partie de l'équipe B, hein, qui est venue du côté de la Bièvre pour supporter la une. Ouais, c'est la vraie fête du rugby. Hein. Comme je disais, c'est un groupe qui a grandi. Et c'est historique, hein, pour la Bièvre, 16e de finale. C'était jamais arrivé encore en Fédéral 2. Ah, l'entrée des vestiaires des joueurs, là, ça va être très 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 fort. Ça va être très fort. Le regard en dit long. Ouais, on va apprécier ces images. Et on salue notre ami Jérôme Tadjan. Salut Jérôme. Qui est avec nous. La vie est belle, Jérôme. Jérôme, qui a fait les beaux jours de Renage également. Tout le rugby local est ici. Alors qu'on va voir l'entrée dans les vestiaires. Du côté de Montmélian, on n'est pas sorti encore, hein, évidemment. On vous montre. Le regard, Hugo. Ils ont tout un peuple avec eux, derrière eux. Sur un match, peut-être. Sur un match, Hugo, peut-être. En tout cas, l'enjeu pour la Bièvre. Le détail. Mais là, Aliès, on va laisser le public parler parce que je crois que ça ne sert à rien. Allez, bon match. Non, on va se faire ça. Dans une minute, on y va. Voilà l'entrée des joueurs au vestiaire. Il est 14h55, hein, ils vont revenir dans quelques secondes. Et nous on va pouvoir commencer ce match incroyable. De folie. Incroyable en blanc, surtout. Ouais, ce sera probablement la même ambiance à Montmélian la semaine prochaine. Je pense bien, parce qu'ils ont un public aussi qui est venu en nombre.
Montmélian et un public qui est venu en nombre. Ouais, bah de toute façon, les tribunes ici, hein, elles sont pleines des deux côtés. Hein, l'IS c'est vraiment plein. Ouais. Ils vont se faire entendre, les Montmélianais. Les Savoyards aussi sont là. Hein. Et ils sont rentrés au vestiaire une dernière fois. Et on va attendre également l'entrée des Montmélianais. Ouais, ça chauffe là. Nous allons passer une excellente après-midi de rugby. Oh, on se régale déjà, Aliès. La petite bruine est tombée ce matin pour arroser la pelouse. Et pour l'instant, ce qu'il faut. Pour l'instant, j'ai l'impression que la pluie en plus, elle nous laisse tranquille. Juste ce qu'il faut. Regardez-moi ces images. Allez. Et voilà, on va vivre l'entrée des joueurs en multicam. Là, regardez, c'est le nouveau dispositif. Les caméras simultanées. Incroyable, une ambiance incroyable. Ah, une ambiance de phase finale, on est là également pour vivre ça. Écoutez, écoutez. Ah, là, ça y est, ça y est, ça y est. Les Montmélianais, eux, sont restés hein, à l'abri un petit peu pour se concentrer également. Il y a du monde au stade aujourd'hui. Oui, oui, Montmélian qui est à droite avec leurs supporters. Voilà l'entrée des joueurs. Eh ouais, l'ambiance est énorme, les tribunes elles tremblent ici du côté de la Bièvre. C'est incroyable, une entrée de joueurs incroyable. Les Montmélianais qui sont entrés. Les fils de Mandrin, ils sont là, sous l'ambiance, les fumigènes également. J'en ai des frissons, Hugo. Des deux côtés. Ah ouais, c'est beau, c'est beau. On aime notre sport. Hein. Ah ouais, ça... Il y a même le feu d'artifice, regarde le feu d'artifice qui est là. Le feu d'artifice, des fumigènes. Les pompiers. Au feu, les pompiers. Ah, ça... On est reparti, mon Lies, dans la fumée, là. On est reparti dans la fumée. Vous le voyez, alors que les Montmélianais sont à l'écran. Voilà. Alors on va faire les compos d'équipe. Nous aussi, on va vous remettre les compos quelques secondes parce que là, en train de s'étouffer. Allez, avec la Bièvre, Zamora, Mercury, Irvelin, El Aouri, Milanol, Grenier, Leno, Broisa, Voutfontaine, Baralzouti, Javix, Maclé, Julien, Guénan. Et du côté de Montmélian, Jouti de Martino, Pérouse, Aron, Vout, Demsarno, Désiré, Chambon, Hog, Betan, Chabat, Galmar, Betchem, Marini, à l'arrière. Allez, une minute de silence, Hugo. Hommage à Bernard Lapassé et nous on aura une pensée pour Thomas Manguin qui faisait partie de la BIPS, effectivement, qui fait partie de cette entente avec Saint-Étienne de Saint-Jouard. Minute de silence. Thomas Manguin, que beaucoup d'entre vous ont connu notamment au niveau de la BIPS puisqu'il a été formé à la BIPS lors de la fête de la Bièvre. Thomas Manguin qui va manquer à beaucoup de personnes. Donc, messieurs, mesdames, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, solennellement, afin d'observer cette minute d'applaudissement pour ces deux personnes. Merci à vous.
Ouais, une minute de silence, une minute d'applaudissement. Hein. Yes, minute d'applaudissement qui a été respectée. Et on va pouvoir rentrer dans ce match avec impatience et pensée émue. Ceux qui viennent nous rejoindre, bienvenue à vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager. Hein. Ça vaut le détour. Allez, on va évidemment prendre ce coup d'envoi dans quelques secondes. N'hésitez pas à donner-nous un petit coup de main si vous aimez suivre les matchs sur LSD. C'est simple, vous partagez, plus on aura de partage, plus on pourra continuer à vous faire vivre ce rugby tout le temps, tous les ans. Allez, je compte sur vous les amis. Avec Charles Despinois. Ouais, il y a une ambiance incroyable, hein, les S là. Ah ouais. Ça veut plus s'arrêter, Hugo. Ça veut plus s'arrêter. Ça sert à rien de parler là. Là. Ça veut plus s'arrêter, Hugo. Là, on demande. La sécurité demande à arrêter là. Ils ont foutu le feu, ils ont foutu le feu. Alors là, on demande d'arrêter. On a notre ami Niogré qui est là. Camarade, il est là. Allez. Camarade, la cravate. C'est terminé, les gars. C'est bon. On va y aller. Quelle ambiance. C'est ce qu'on aime. Allez, mais heureusement, Hugo, les phases finales, ça devrait être tous les week-ends comme ça. C'est fumigène, c'est. Ça en fume, hein. Alors celui-là, là-bas, il est parti, il ne peut plus s'arrêter. Ça y est. Oula, non, c'est en train de prendre feu, là. Oh, putain. Il est en train de prendre feu. Catastrophique. Faut appeler les pompiers. Un petit problème d'incendie, là. C'est pas possible. C'est en train de prendre feu, vraiment. Il va falloir que... C'est en train de prendre feu, vraiment, là, par contre. Ah ouais. Aïe. Ils boivent suffisamment de bière pour faire pipi dessus. Il faut que tout le monde aille arroser avec la bière, là. Et je crois que c'est vraiment parti en incendie. Mais c'est pas grave, on va partir sur le match de notre côté, le temps que les brouillards... Non, mais c'est vraiment parti en... L'arbitre est concentré, Hugo. Faut pas qu'on oublie aussi l'arbitre qui est concentré. Donc ils vont attendre d'éteindre l'incendie pour attaquer le match. Je pense, mais là il va falloir quand même qu'ils aillent l'éteindre, c'est en train de prendre. L'escalier va prendre feu là. L'arbitre demande à. Ah ouais, puis l'escalier va prendre feu là. L'arbitre demande à. Oh là là, c'était trop là. Celui-là il était trop. Allez, ça a l'air d'être réglé. Ils l'ont éteint la bière. Mais voilà, c'est ce qu'il veut. Et nous, on va rentrer dans ce match. C'est parti. Allez, c'est parti, mes amis. La régalade, c'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant. C'est parti. Allez. Et c'est parti dans ce match avec un premier ballon pour Louis-Lino. Oh, directement Louis-Lino qui a été pris par un gros plaquage. On est dedans. Et c'est l'arbitre que vous entendez, mon cher Yes, qui est avec nous. C'est Despinois. Viens derrière, noir! Allez, attention, premier ballon pour les castors. Il a le droit. Allez, ça passe par-dessus, ce coup de pied d'Alex Voot. Ça se chauffe tout de suite. Ça commence avec Maxime Voot et Revelin, je pense. Ça commence. Ah, c'était sûr. Ah ouais, c'était certain. Ça s'annonce. Ça s'annonce, les verts. On annonce direct. À combien de joueurs? À 8, pardon. Ça va être chaud, on savait que ça allait être chaud. Très agressif Montmélian tout de suite d'entrée de jeu, Hugo. Ils sont allés faire un plaquage énorme là sur Louis Leno. On reste là, noir. Allez, on va faire cette première touche pour Irvine De Martino. Ouais, superbe la touche pour Montmélian. Et ça va travailler. Dans les 50, ça avance tout doucement. C'est le premier affrontement avec ce ballon porté. Et ça avance, du côté de Montmélian. Ouais, c'est très bien structuré. Et ça avance. C'est très très bien structuré. Et on avance quasiment sur les 40 ballons qui va ressortir. Il y aura un avantage pour Montmélian qui va ressortir. Pénalité. Ça se donne coup pour coup, Hugo. Hein. Coup pour coup, ça se donne. Numéro 3, on vient sur le côté. Ouais, la faute pour le pilier. 3 points. Et dis-moi. Revelin, le numéro 3. Faire attention de ne pas rentrer tout de suite dans les émotions, dans l'agressivité positive. Il faut maîtriser le sujet, Hugo.
maîtriser son sujet. Allez, avec cette première pénalité, Liès d'entrée de jeu. Et attention parce que les fautes aujourd'hui, elles peuvent coûter très cher. C'est ça. Alors ça va jouer à des détails, comme je disais tout à l'heure, à des détails, à une précision près. Donc tout doit être dans le contrôle. Tout doit être dans le contrôle. C'est parti, à 42 mètres, Liès. Ça passe pas. Non, ça ne passera pas. Ça passe à côté. Ça passe à gauche. Ça passe à gauche des poteaux. Ah, on s'entend même pas parler, Liès. C'est incroyable, là. On est en plein dans ce chaudron. Liès, on attend, attendez. Viens derrière. Allez, on va rattaquer. Hein. Allez, comme vous voulez. Avec ce renvoi pour... Les joueurs de la Bièvre renvoient très lointain, récupéré par Montbéliant. Et attention, premier ballon d'attaque pour aller chercher Samy Chaba. Samy Chaba, je ne sais pas si c'est pas un des meilleurs marqueurs du championnat. Ouais, en tout cas, il a été bien plaqué, Samy Chaba, sur la ligne des 40. Avec Aurélien Chambon qui arrive, qui récupère ce ballon. Chambon, et on envoie cette fois à nouveau les gros. Restez là. Chambon qui redistribue. Très dur dans les impacts. Avec Hogg. Encore une fois, gros plaquage. Voilà. Le ballon qui est sorti au large. Oula, attention, ça se chauffe. Très dur dans les impacts. Ça s'envoie coup pour coup. Bien arbitré. Alors si vous avez les amis avec nous sur les commentaires là. Des talons. Des résultats qui. Des résultats de. Tiens, on va revoir cette image, mais des résultats de Fédéral 2 notamment. N'hésitez pas à nous les donner. On les partagera à l'antenne. Bien pris par Yaz. Allez, avec une mêlée, la première mêlée, Liès, toujours importante, la première du match. La première du match, c'est comme le premier plaquage, la première mêlée. Avec Alex Wout. Allez, Alex Wout, ce ballon qui sort avec Louis Leno, le départ de Leno. Leno qui arrive, qui part, qui met un cul, deux culs, le ballon au sol avec. Il a récupéré Hugo. Il est récupéré par les Montbéliens qui peuvent attaquer sur les 40, Liès. C'est chaud. Chambon qui repart tout de suite. Et en avant, on va revenir à la faute. Ouh, on se rend coup pour coup. Yes, tu l'as dit. Les gars, c'est bon. Ça va être, ça chamaille, ça se bouscule. Dominant, qui va être dominé. Sans dire de bêtises, je crois que sur les deux matchs aller-retour, il y avait déjà eu des échauffements. Hein. Des échauffourées. C'est ça. Entre les deux équipes. Et puis ces deux formations qui se connaissent très bien. Et Irvan De Martino, il est là. Le talon, super joueur, hein, Irvan Liès. Ah oui, très très bon joueur, très solide, très technique. Pour l'avoir rencontré sur le plateau de LSD, super mec aussi. Ouais, super mec, évidemment. Tout comme Aurélien Chambon, qui est ici. 8, c'est bon. Flexion. 5 minutes de jeu, Hugo. Ça s'observe. Placement. Allez, introduction. Allez, Chambon qui va jouer ce ballon. Le ballon qui ressort. Attention, le jeu au pied direct. C'est bien fait là, ce jeu au pied. Paul Guénan qui va le ramasser. Attention, Paul Guénan. Jeu au pied direct de Paul Guénan. Pas de risque pris. Et touche pour Paul Guénan. J'aurais pensé qu'il allait peut-être relancer pour son premier ballon pour mettre un peu de canne, Paul Liès. Plus surtout pour se mettre en confiance. Donc, oui, il a décidé d'assurer et de trouver la touche. Et on connaît les qualités de Paul Guénan hein, dans le temps des relances. Ah, vous allez parler. Premier noir, c'est qui ? Il n'y a pas de phase finale sans risque, Hugo. Premier vert, paré. Allez, Irvan De Martino à l'écran. Les Montbéliens qui récupèrent quelques ballons là sur des ballons lâchés hein, par les Castors. Super, cette touche, elle est bien disputée, elle est récupérée par Mercury qui va aller. Wow, le plaquage énorme. Je crois de Maxime Wout sur Mercury. C'est en train de s'échauffer de l'autre côté. Maxime Wout qui était au milieu d'une petite bagarre. Le ballon là qui va sortir en touche. Les impacts sont très violents. Très très violents, Hugo. C'est œil pour œil dans le ballon. Il y a Maxime Wout qui est très très chaud là face à ses anciens coéquipiers. On va revoir cette action. Mercury. Le plaquage. Il s'est bien baissé, Maxime Wout par contre. Liès là.
sur le plaquage. Maxime Boucher fait chambrer par les supporters. Le vert ici. Ah oui, c'est un ancien joueur du club. Il y aime. Touche à ça, Clément. Son frère qui était qui est toujours là. Hein. Allez, Irvan De Martino. Allez, c'est parti. Le talon de choc pour elle, la touche cette fois elle est très bien réussie. Premier bloc, et on va structurer les ballons portés autour de Jouti. Et ça avance, et ça avance encore. C'est bien fait ça, c'est avance, bien fait. Et ça avance. Allez, c'est parti avec Désiré. Restez. Sur les 30 mètres, regarde le ballon qui ressort rapidement. Ouh, gros plaquage, mais il y aura un avantage. Ah, il est parti, Louis Leno. Grosse défense hein, des Castors aussi. Accident, où, va alors, relever aussi. Il n'y a pas eu de points marqués, Elias. Mais alors, quelle intensité dans ce début de match. Hein. Exactement. Allez, on y va. Grosse défense. Ils montent ensemble. Ils vont ici, les chercher. On reste comme ça sur les mêlées. Beaucoup de fautes de main pour l'instant dans les lancements de jeu des Savoyards. Allez, un match extrêmement équilibré pour le moment. Et vous êtes nombreux avec nous. Merci, les amis. N'hésitez pas, donnez-nous un coup de main. Partagez-moi ce match et on va vous faire vivre ces phases finales jusqu'au bout, toute l'année. Flexion. Et 7ème minute de jeu. Regarde ce plan avec large, médium et public. Comment se régale sur ces images LSD. Regarde l'introduction. Allez, parti avec Loulino. Le départ de Loulino hein, qui reste encore debout une fois, deux fois, mais qui est bien plaqué, Loulino là. Le ballon qui va ressortir avec Boot. C'est bon, je... Ouais, c'est bien fait avec Milanol qui a pu passer ce ballon. Encore une fois, des gros plaquages. Il ne lâche rien non plus, les Montmélianais. Alex Wout qui a pu jouer ce ballon. Fini, va ! Sorti, sorti ! Allez, il faut le sortir. On lâche pas ! Oh, ça plaque des deux côtés, Elias. Ah oui. Restez. Ça se. Vraiment, vraiment, les bien impacts. Derrière, les verts. On les entend des tribunes, hein, les impacts, Hugo. Hein. Ouais, attention, nouveau ballon avec Paul Gannan. Paul Gannan qui est venu se mettre dans l'intervalle, okay, l'arrière fini, qui est monté là. Fini. C'est bon, vert. Et ça va ressortir avec Rovelin. Rovelin qui reste debout. C'est bien fait. Attention, faut libérer le ballon. Ah, joue au pied pour Alexis Wout. Qui va trouver une touche directe. Ouais, peut-être pas la meilleure chose à faire ce jeu au pied. À moins qu'il sentait peut-être que les avants étaient au bout. Faut être un peu plus patient de la part des Castors. Un petit peu plus patient. Allez, premier noir. Les verts, on y va. À 5 noirs. Ici. Quatrième ou cinquième mêlée du match. Direct, hein. Ici. Allez, rentrez tous dans l'alignement. Ah non, c'est la touche. On reste. Reculez. 8. Allez, touche pour les Savoyards. On attend. Ah bah, la touche est perdue. En avant. Ils sont pas réglés et encore loin. En touche. Et mon médianier, Yo. Allez. Mon Liès avec cette nouvelle mêlée. Et la touche qui vient de perdre encore mon médian. Seb, tu prends ce côté. On est dans les 40 mètres des Castors. Introduction Alexis Wout. Allez, 10ème minute de jeu, 0-0. Flexion. Allez, introduction Alexis Wout. On est dans les 40 mètres. Placement de la Bièvre. Restez. Allez. Voilà, on est dans c'est les 40 mètres. Cassine El Aouiri qui avance, qui est tout seul face à 4 Montmélianais. Qui peut reculer sur un plaquage. Grosse défense de la part de Montmélian. C'est bon, c'est clair. On prend, faut baisser. Allez, 9. Il est en train de tomber, il n'y a rien. Ici. Alexis Wout qui est au sol, Hugo qui se plaint. On y va. Qui se plaint de l'épaule. Ouais, il y a pénalité du coup. Et ouais, Max Wout qui se fait chambrer. Ça va ? Ouais, là. 0-0 Hugo, 11ème minute de jeu. Alors j'ai les quelques-uns qui disent que ça bug. Nous écoutez, on a sur tous nos retours on a pas de bug. Est-ce que vous êtes très nombreux avec nous? Je vois 2-3 commentaires, mais voilà, vérifiez peut-être votre connexion internet. De notre côté en tout cas nous ça a l'air fluide. La touche, Rémi Mercury pour la touche. Sur dans l'axe du terrain retour. Dans l'axe du terrain, Rémi Mercury, la touche est perdue. Voilà, ça se chamaille encore. Allez, attention, ce ballon qui va ressortir une nouvelle fois. Et on va aller chercher du côté de Montmélian, Betchem. Ah oui, perdu.
Ballon perdu et la récupération pour les Castors. 11 minutes de jeu, il y aura un avantage. Le ballon qui va ressortir. Le jeu au pied de Fontane. Oh, très long jeu au pied, était magnifique. Attention, attention, ce ballon qui va aller dans l'en-but. Et ils n'auront pas mis la pression, les Castors. Du coup, il n'y aura pas de renvoi d'en-but. Très très beau jeu au pied. Voilà, très, donc, très beau jeu au pied. Tu vois, voilà, je remercie Laetitia Damien. Il y a alors David, il dit ça bug. Moi, j'ai énormément de gens qui me disent que ça bug pas. Donc ça veut dire que le bug, il vient pas de chez nous, les amis. Ça vient de votre connexion. Regardez, vous pouvez changer la qualité. Si vous êtes, vous n'avez pas de réseau pour 1080, vous pouvez passer en 720. Mais nous, on a pas de problème. On a 4 téléphones alignés devant nous pour vérifier que tout fonctionne bien. Et tout semble fonctionner de notre côté. Voilà. Allez, Rémi Mercury pour la deuxième touche. Dans les 45 mètres. Ah là 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 là, la touche perdue. La touche est perdue. Avantage. Donc on est dans les 50 mètres. Montmélian a le ballon. Voilà, lancement de jeu. C'est bon, jeu. Gros plaquage de Josh Julien. Avantage terminé. C'est bon, jeu. Avantage. Voilà, donc ça devient... Excuse-moi, il y a juste voilà, donc les petits frises, les amis, voilà, on a juste pour que vous compreniez bien. 12. Les bugs, nous on ne peut pas gérer la connexion internet que vous avez par rapport en fait, à une diffusion HD. Là on a beaucoup de gens chez qui il n'y a pas de soucis. C'est là que nous le flux qui part était ok. Donc je vous en prie, vous avez voilà, juste à essayer. Si vous êtes en Wi-Fi, passez sur une 4G. Si vous êtes en 4G, passez sur une Wi-Fi, changez de réseau. Allez. Nous il n'y a pas de soucis sur la connexion. Et tous nos téléphones alignés devant nous semblent fonctionner. Donc voilà, merci à vous les amis. Lias, tu disais, pardon, excuse-moi. Il y a beaucoup de fautes de main. Dans ce début de match, Hugo, des en avant, des touches, énormément de fautes de main. Donc je pense qu'ils sont l'émotion, les joueurs sont pas très concentrés, et sont plus dans l'envie que dans la concentration. Beaucoup de fautes de main. Placement. Samy Chaba. Là. Aïe, ça a failli. C'est bon. Sur les 5. Okay. On sort dans le champ de jeu. Touche pour la Bièvre à 5 mètres de leur ligne. À droite. Bon. Couloir, garde bien le couloir. Premier noir. Ouais. À combien? Donc touche pour Montmélian. C'est bien, Faire. Comment ça peut voir, la pluie vient de. Reculez. Oulala. Ici, il n'y a pas le couloir. Ouais, on rentre dans le couloir, les verts. Coup franc noir. Non, c'est coup franc. Donc, oui, comme il n'y a pas le couloir, bah, l'arbitre décide de les pénaliser. Donc, récupération du ballon pour la Bièvre. Qui vont se dégager. Je te laisse quelques secondes tout seul, hein, mon Lies. Le temps de gérer 2-3 bricoles. Toujours 0-0, 15e minute de jeu. On est dans les 5 mètres de la Bièvre. Dégagement de Alex Fontane qui assure la touche. Le premier bloc. Premier bloc direct, on réduit. Bon. Voilà, on est dans les 22. Premier Véracy, dès que ça bouge, en fait, vous rentrez. Gardez le couloir. Ici. Il pleut, Hugo. Allez, vers, on ça y va. Va être très très compliqué avec des ballons qui sont glissants. Réception. Allez, Montmélian qui avance. On rentre dans les 22 de la Bièvre. Montmélian qui avance encore. Et encore. Ah. Restez. Voilà. Jouez là! Allez, ce ballon pour. Oulala, gros plaquage de Baptiste Broisa. Non, c'est bon, noir, vous y êtes pas. Allez, grosse défense, hein, grosse défense c'est des bon. Castors. On recule avec une. Un ballon. Samy Chaba. Restez, reculez là!
Allez, le ballon pour Maxime Boud. Maxime Boud qui avance dans les 22 mètres. Il est là, était. Le ballon qui ressort. Attention, la grosse attaque demain là peut-être avec Evan De Martino qui va la laisser. Oui, il est inarrêtable, il s'arrête, il est dans le but, c'est laissé. Et laissé pour Montmélian. Oui. Ils ont été plus patients. Alexis Wout, on voit qu'il parle à l'arbitre. Très patient les Montmélianais. Ils posent le jeu. Grosse défense, les Biavrois. Tiens, on va revoir l'essai. Ils ont BS. Les Castors ont laissé beaucoup de monde dans le ruck. Ça les libérait des espaces. Et après, comme on sait, le jeu montmélianais dans les espaces, c'est très très compliqué à défendre. Voilà. Et Irvan De Martino, quand il est parti, il est quasiment inarrêtable, l'IS, ce talonneur. Exactement. Ouais, beaucoup d'espace, beaucoup de jeu dans les espaces. Est-ce que ça va libérer quelque chose, Hugo? En espérant que ça va libérer le match. Allez, la transformation pour Marini. Et ça passe. Allez, entre les perches. Allez, 7-0 pour Montmélian. À 18 minutes de jeu. Début de match, œil pour œil, dent pour dent, qui se rendent coup pour coup sur tout niveau. Des gros impacts. Et là, ils ont trouvé la brèche dans les espaces. 7-0. Allez, réception Maxime Wout qui avance encore, difficilement inarrêtable. Reculé. Ah. Ouh là 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 là, grosse charge du talonneur de Montmélian. Montmélian qui est derrière, bien derrière, 40 mètres. Quand vous voulez. Voilà, jeu au pied long et haut. Ouh! Ouais, et là il va falloir le revoir celui-là. Ouh là 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 là. Ouais. Aïe 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 aïe. Un choc. Très 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 très, très violent. Eh capitaine, tu le vois. Ah mais le joueur était en l'air. Choc très violent. Alors on va voir ce que vont voir faire les arbitres. Ouais, exactement, pour moi il est en retard. Ouais. Est-ce qu'il y a une bascule? Je vois pas s'il y a la bascule. Non, pour moi non. Pas de bascule, on pourra se faire sur une simple pénalité. Ouais, okay. Pénalité Hugo. Bon, laissez-moi parler. Vous avez votre verre qui est en retard. Votre verre est en retard, par contre il n'y a pas de bascule, donc ça serait une simple pénalité ici. D'accord. Voilà, vous avez compris les indications de monsieur l'arbitre. Ah, à mon avis là. Par contre, il n'y a pas de bascule. Il n'y a pas de bascule. Est-ce qu'il va sortir? Ah, le joueur qui s'est fait mal, qui était en retard sur le plaquage, mais les deux se sont fait mal. Hein. La règle, c'est celui qui est en premier sur le ballon. En avant, mais la bascule, c'est le bassin qui ouais. Donc on est bon. Le premier au ballon. Voilà, ça va aller. Il a pris un choc en. Il ne veut pas sortir. Aller. Il non, veut non, pas bah sortir. Non, tu m'étonnes. Personne ne veut sortir d'un match comme ça. Quel jour on est? Quelle heure il est? Où est-ce qu'on est? Voilà, on voit bien. Tu me vois, super. Ouais. Allez, on y va. Bon, on le regarde. On le regarde. La prochaine, c'est pas bon, on sort. Allez. Voilà, l'arbitre qui le laisse rattaquer Elias. Excellente décision de l'arbitre. Allez, Alex Fontane qui trouve la touche dans les 35 mètres côté droit. Allez, premier verre. Le Savoyard. Noir, vous ont annoncé. Allez. C'est bon. Touche pour la Bièvre. Ok. Ici. Touche à 5. Ouais. Allez, là, gros. Touche à 5. Allez, gardez bien le alors, on annonce que Palma mène devant Vinet 7 à 3. Merci Véronique. Allez, lancer Rémi Mercury. Et Mercury pour le lancer pour la Bièvre qui est menée 7 à 0.
chez elle, les Castors. Allez, la récupération de Baptiste Broisa. Et on va structurer autour de Broisa. Allez, le ballon pour Mercury. Non, stop. Mercury qui est tenu par Wout là. Mercury qui continue. Luleno. Luleno qui avance. Ça avance. Luleno à l'entrée des 22 mètres. Qui avance avec un nouveau Mercury. Il est chaud, hein, Mercury aujourd'hui. Restez. Et ce ballon qui va ressortir à l'écoute, qui a levé la tête. Et on avance, hein, on avance encore avec Grenier. Grenier, encore une fois le ballon. Premier. Avec Julien. Récupéré. Ouais, bien gratté, très bien gratté par Dems. Restez. Le troisième ligne de Montmélian. Et le soutien tarde à venir. On attend. Le jeu au pied de Marini et le ballon qui va sortir en touche. Et le soutien de la Vielle tarde à venir, Hugo, c'est pour ça qu'ils perdent le ballon. Il faut qu'il soit un peu plus patient, aller moins loin. Restez debout. Est-ce qu'on t'entend ? Allez, 22 minutes de jeu, allez. 7 à 0 hein, pour Montmélian ici face à la Bièvre. Ici, avec cet essai tout à l'heure de De Martino. Ah, il y a le 1 qui est pété, attendez. Le 1. Il y a le 1 qui est au sol. Ouais. Allez, la touche pour Rémi Mercury. Alors est-ce que les Castors vont pouvoir revenir dans ce match? Faut réagir maintenant. Montmélian a fait le plus dur avec l'ouverture du score. C'est bon. Dans un début de match très 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 tendu. Un bon couloir, on rentre dans l'alignement les Noirs. Entrez dans l'alignement. Allez, restez là. Allez, lancez la Mercury. C'est bon, il est là, c'est bon, c'est parti. Récupéré par Loïc Milanol. Ça avance tout doucement, ça avance. Deux, sortez de là. Ah, ça recule un petit peu quand même là. Alors ça structure, ça se structure. Ouais, ça avance. Ça se structure. Allez, c'est parti pour ce ballon porté. Et les Castors, là, ils sont en train de mettre du jus. Alex Wout, le jeu au pied d'Alex Wout qui ne donnera rien. Attention, et le dégagement au pied. Ok. Super dégagement. Ah ouais, super dégagement. Regarde le ballon. C'est Luleno qui va avoir la pression. Luleno qui va récupérer dans ses 22 mètres. Luleno qui va essayer d'y aller face à Marini. Mais attention, Luleno qui s'isole. Il s'est isolé, ouais, comme tu l'as dit. Ouh là 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 là. Les verts sont remontés, Hugo. Ouais, ouais. 80 mètres. Et la pluie hein, qui n'arrête plus ici. Côté limite. Un coup de pied de 80 mètres. Une très très grosse pluie. Noir ici. On était dans les 22. Allez, on y va les gars. De Montmédiané et on se retrouve dans les 22. Les verts, on y va. De la Bièvre, Hugo. Juste la marque. Coup de pied très efficace. Là, premier noir. Ici. Coup de pied très efficace, Hugo. Ah oui. Numéro 1. Ok. Allez, comme vous voulez. Allez, Allez, attention, c'est parti avec ce ballon porté. Est-ce que les Montmélianais vont pouvoir peut-être faire la différence? Ils ont déjà marqué le premier essai, on le rappelle, avec Maxime Wout. Là, quel ballon? Irvine De Martino maintenant. Ça avance, Hugo, ça avance. Allez, Hugo. Il avance. Ça avance, Hugo. Quel ballon porté? On est à 10 mètres. Lâchez, non. Avantage, restez. Ils sont à 5 mètres de la ligne. 5 mètres de la ligne. Attention, Chabat qui a été bloqué, Chambon. Oui, pénalité. Avantage. Ça se chauffe, ça se chauffe. On va écouter monsieur l'arbitre. Numéro 7 sur le côté. C'est un match où il ne faut pas être cardiaque, Hugo. Ouais, faute pour Kevin Grenier. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? 3 points. Alors, on nous annonce 14-0 pour Vienne hein, face à Nîmes. Nîmes qui était leader hein, de la N2. Très très belle perte des amis viennois. C'est notre match Red SD qui est en direct également. Hugo, ils vont assurer, ils vont prendre les 3 points. Parfait.
26 minutes de jeu et pour l'instant, Montmélian qui pourrait mener 10-0. Et d'un autre côté, l'IS, la Bièvre qui n'est pas allée dans les 22 de Montmélian. Hein. Oui, ils y sont allés une ou deux fois, ouais, qui ont perdu des ballons et qui se sont retrouvés très très rapidement dans leur 22 avec un gros dégagement. Sur la ligne, Voilà, pour ajouter 3 points de plus. Ils ont décidé de Marini. Ils ont décidé de prendre les points à Hugo. Alex, tu suis le buteur. Allez, c'est parti pour Marini. Non, ça, ça passe pas. Aïe. Ah. Eh ben ça passe. Ah, c'est passé. Ah ouais. Ah, ouh. Voilà, les arbitres, ils l'ont validé. Ah. C'est vrai que de là où on était, ça semblait passer à côté l'IS. Hein. Oui, bon, vous voyez, pas passé. Hein. Tiens, on va la revoir, regarde. Merci Marc. J'ai l'impression qu'elle passait à droite. Ah, bah, je crois qu'elle va être hors cadre. Non, elle passe pas. Elle passe pas. Elle passe pas. Elle est acceptée à tort par les arbitres. Ah, très oui. Clairement. Ouais, c'est une. Allez, Maxime qui repart. Maxime qui avance encore. C'est Maxime étonnant, les deux arbitres de touche là qui ont validé, ils étaient dessous, je trouve ça étonnant, Attention, ça repart, attention, avec ce ballon récupéré peut-être par Alec Castor en deux temps. En avant. Première en avant vert, deuxième noir, mêlée noire. Alors, ouais, je suis très étonné, Léa, de cette pénalité. Alors, Hugo, ils sont dessous, ils voient peut-être mieux que nous, je sais pas. Ouais, on peut remettre le ralenti, Marc, ici, bah, nous sur le ralenti. Alors après, elle est un peu basse, la caméra, c'est dommage d'ailleurs. Elle monte. Et est-ce que ça passe plus haut? Et ils sont dessous, hein, les arbitres. Ils sont dessous, les arbitres. Ah, malheureusement, le cadre était pas bon. L'arbitre sont dessous. Ils sont vraiment dessous, les arbitres. Ouais, mais là, ils donnent vraiment l'impression d'être 20 cm à côté. Et bah tant mieux pour Montmélian qui mène 10-0. Lié. Et la Bièvre pour l'instant qui n'a pas offensivement trouvé les armes face à cette défense incroyable de Montmélian. Allez, c'est parti avec ce ballon joué par Julien. Ah là 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 là. Grosse défense. Vraiment. Ouais, sûrement que la pénalité passe et que nous on la voit après en fait. Sur la play, malheureusement, il y a un petit problème de cadrage, on n'a pas vu. Les arbitres sont bien dessous. Hein. Mais Hugo, les arbitres sont vraiment dessous. Donc je pas fait la marque. Ils sont dessous, on va leur faire confiance évidemment. C'est bon. Au trio arbitral. Donc la perte de la Bièvre sur un lancement de jeu. Mêlée pour Montmélian. Allez, l'introduction, et tu vois le problème de la Bièvre, hein, c'est tous ces petits ballons tombés, ces ballons perdus, l'IS. Oui, c'est ça, introduction Chambon. Allez, Chambon qui va introduire, et regarde, on repart direct dans le gros plaquage de la Bièvre. Viens derrière, Casqué, viens derrière. Allez. Attendez, Noir. Allez, très haut, Samy Chabat en réception. Ouais, le ballon qui est discuté. Avec Désiré, pardon. Et là, ça va vite. Avec Aaron. Aaron l'a sauté. Et on va mettre de la vitesse. Regarde. Avec Bétan qui va sortir en touche l'ailier. Très vite, ça va. On connaît leur jeu à Montmélian. Dès qu'ils envoient du jeu derrière, c'est efficace. C'est bon. Avec cette passe volée du deuxième centre. Allez, premier vert. Et toujours. Non, c'est mort. C'est fini, elle est marquée là. Toujours l'envie de jouer. Premier noir. Gardez bien le couloir. Regarde. Premier noir ici. Toujours cette envie d'aller de l'avant et de jouer derrière Hugo. Allez, avec la touche. Mercury. Touche défensive importante. Attendez, elle est bien captée par Broza. Pourquoi pas, Louis Leno qui va défier. Alors pour répondre à Mathieu, bah écoute, on a quand même le droit de pouvoir commenter comme on le sent. Ça sort pas. Et on respecte suffisamment l'arbitrage pour pouvoir aussi nous poser la question.
parce qu'on était étonné par cette pénalité et on a bien précisé que eux étaient en dessous. Samy Chaba. Il avait sûrement une meilleure visibilité que nous. On enchaîne avec le match. Ça repart du côté de Montmélian sur les 40. Le jeu au pied. Paul Guénan en couverture. Non, magnifique le jeu au pied de Marigny encore. Très très, yes. Très belle rentrée de en match de Marigny. Allez, touche pour la Bièvre. Dans les 22. À droite. Rémi Mercury au lancer. 3. Faut aller plus vite que ça, les Noirs. La marque ici. Allez, Mercury. Et ils ont toujours la pression. Hein. Il y a encore la pression du côté de la Bièvre avec cette touche. Attention, volée. On va se mettre en danger, Leno qui arrive à volée une nouvelle fois. Fini, merde, non. Avantage, seul, avantage seul, la Bièvre. Bon. Restez. 5 mètres. Il va falloir sortir ce ballon. Louis Leno, ils veulent le jouer à la main. Ils veulent le jouer, je pense, pour aller pouvoir se dégager derrière. Avantage est bon. Reviens là en avant. En avant, merde. Ah, ça a été chaud. Beaucoup de fautes de main, Hugo, dans cette première partie. Hein. Et ce score qui n'est pas complètement... qui n'est pas immérité parce que si tu regardes bien Montmélian, il reste quand même plus globalement dans les 50 mètres hein, de la Bièvre que l'inverse. Ils alternent de jeu au pied efficace avec du jeu derrière. Ils sont patients. Flexion. Allez, il reste une dizaine de minutes. Placement. Restez. Ouais, attention avec cette petite combinaison, le ballon qui est joué, vous qui remet pour Leno qui est actif, hein, Leno qui est très actif dans ce match. Ils arrivent à sortir des 22, pourquoi pas avec le ballon à la main porté avec replein. Bas les mains vers 23, top, c'est bon. Le ballon qui va ressortir sur la ligne. C'est bon, c'est Alex Wout qui va jouer au pied. Testé. Il a sorti ce ballon pour Fontane. Ouais, Fontane, la petite feinte. Ah, est-ce qu'ils vont jouer ce ballon? Pourquoi pas? Oh le risque, le jeu au pied, c'est risqué, c'est très risqué. Ah, le jeu au pied dans les 22 mètres comme ça, face à une équipe comme Montmélian, honnêtement, c'est très, très 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 risqué. Capitaine, c'est mêlé hors des 22 ou tous dans les 22 pour vous? Mêlé. Mais Léon, on est hors des 22 mètres. Très très dangereux. Ouais, trop risqué ce coup de pied. Et c'est dommage parce qu'il avait fait avec cette petite feinte, c'était pas mal. Ils auraient pu même jouer ce ballon à la main. Il y avait, sans dire un surnom, ils avaient une bonne, carte à jouer au large. Et le jeu au pied là, alors que quand tu sais que tu as une équipe de Montmélian qui est extrêmement rapide en face et forte dans les airs, c'était peut-être pas le bon choix. Il y a encore du monde qui vient au stade. Il y a encore du monde là. Le stade il est plein. Plein de chez plein. Allez, ce ballon. Pour l'instant, ils ne veulent plus jouer au pied. Regarde les castors. Ils vont jouer à la main. Restez là. Allez, peut-être pour Fontane, non. Et on va fixer une fois de plus. Et la Wouri. Louis Leno. Allez, Louis Leno qui va, qui libère, c'est propre. Sur les 22. Zamora. C'est bon, les gars. Ouais, belle passe là de Wout qui a fait la différence. Mais derrière, on aurait dû la volayer quasiment cette passe du côté de la Bièvre. Un plein, une nouvelle fois, qui va. Oui, il va s'isoler, il perd le ballon. Fini, reculé. Non, ça a été conservé. Wout. Restez. Jouez là. Allez, Louis Leno. J'ai bien peur qu'ils vont y laisser des plumes, Hugo, les castors, de faire des... Restez. Et là, ils n'utilisent pas assez le jeu au pied pour s'en sortir. Tant mieux pour les Montmélianais qui, eux, pour l'instant, maîtrisent parfaitement leur première mi-temps, hein, l'IS. Okay. Oui, effectivement. Alors, voilà, le jeu au pied. Ballon pour Samy Chaba. Samy Chaba, ouais, bien plaqué par Joss Julien.
Est-ce qu'il va être gratté ce ballon? Ouais. Hop, hop, hop. Ben oui, il l'a touché avec le pied, le joueur. Attention, c'est joué vite par Alex Wood, c'est joué vite. Le ballon qui ressort, pourquoi pas, pour aller jouer Julien. Une nouvelle fois, Jean Julien, il y aura un avantage pour la Bièvre. Wood qui veut accélérer avec Fontaine. Fontaine, non, oh, le plaquage là. Sur Fontaine, attention, il est passé sur les 22 mètres. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Il est devant l'arbitre, donc je pense que c'est un plaquage régulier, Hugo. On va le revoir. Ouh là là, de la casse. Il y a de la casse, ouais, Hugo. Il y a de la casse. Loïc Milan au sol, Alex Fontaine au sol. Là, on est hors-jeu à moins de 10 mètres. Ici, on vient sur 4 appuis. On va attaquer le sol. On va voir. Vas-y. Ah, le plaquage. Qui est peu à retardement. Ouais. Il le prend dans le dos. Le joueur. Allez, alors, 3 points. On va écouter monsieur l'arbitre. Pas que bras. On joue, c'est ouais, beaucoup d'avantages. Oh, ouais, j'ai vu ici. J'ai vu ici. Il y avait l'avantage ici aussi. 10. Et on salue 10, notre ami 10, René Rivière 10, qui était coach à la mur. Je regarde ce qui se passe, j'ai vu ce qui se passe. Il y avait un avantage pour vous. Mais restez dans le jeu. Moi, je regarde. Elle est importante cette pénalité pour la Bièvre. Pour, l'arbitre qui se fait respecter, Hugo. Ouais, ouais. Je regarde. Pour revenir dans le match. En tout cas, les deux équipes mais qui donnent, hein. 10, ça triche pas l'IS aujourd'hui. Non. Les impacts sont très très appuyés. Et Dorian Javix pour la pénalité des Castors. Alexis Wood qui raconte. Et ça passe. Ouais, ça va passer entre les perches. Allez, l'ouverture du score des Castors, Hugo. Peut-être une libération. Non. 38 minutes de jeu. Excusez-moi, 3 à 10 bien derrière, pour Montmélian. Et Balma qui mène 10 à 3 face à Villers, Montliès. Et attention, c'est reparti dans ce match. Fontaine qui va jouer, Luleno qui donne beaucoup dans cette première mi-temps. On est dehors. Allez, Fontaine, plaqué. C'est bon. Non, vous êtes 4 rapides d'abord. À noter que c'est. Allez au sol, neuf, c'est la deuxième. Oh, l'enlèvement de Luleno. Attention, il y aura un avantage pour les Montmélianais. Il y aura un avantage pour Montmélian. Montmélian qui en profite, qui avance. On est dans les 22 mètres. Et c'est le risque de jouer les ballons sur les 22. Regarde, c'est très bien joué de la part. Oh, la passe un peu de Hogg pour Marini. Marini qui va accélérer. Marini qui met les cannes, qui a été plaqué. Le ballon au sol à nouveau. Placard. Et pénalité pour Montmélian. Alors, pas dispo derrière. Alors, Mio qui mène devant Saint-Jean. Mon cher Lies, 10 à 0 à Saint-Jean. Ah oui, ça c'est une. Ouais, et Balma qui mène. C'est une surprise. Balma qui mène devant Villers, 10 à 3. Le même score. Montmélian à la Bièvre, 10 à 3. Ils vont prendre des points évidemment. Hein. Ah oui. Les Montmélianais, ils ont raison. Ils l'ont montré dès le début du match, ils prendraient tous les points. Et c'est ce qu'ils font. Et ils ont raison. La Bièvre qui rend trop de ballons, hein. Notamment dans la zone chaude. La pluie commence à tomber, Hugo. Allez, Marini. Passé par Annecy. On l'a dit tout à l'heure, Théo Marini, buteur très régulier, très bon et talentueux. Ouais. Et alors que la pluie s'intensifie un peu à Montmélian, ici à la Bièvre. Marini, c'est parti. Et ça passe. Et ça passe pour Marini. Allez, la mi-temps. Juste avant la mi-temps, ici, nous on va vous rendre l'antenne rapidement et on revient pour la deuxième mi-temps après la pause. À tout de suite. Ah, avec ce ballon peut-être à jouer, attention.
avec Barazzutti. Barazzutti qui est passé. L'essai de Barazzutti, Hugo. Et Barazzutti qui va marquer un essai. Ça on arrive dans l'embut, essai. Il est là, le ballon. Essai. Ah non, on est le ballon est 30 cm devant. Bien vu. Il y a du monde à gauche. Il y a un 5 contre 1. Essai pour vous. Essai pour la Bièvre. Les Montbéliannais le jouent au pied. Ouais, c'est intelligent pour aller chercher la troisième ligne, superbe avec Dems. Ah, Chabat, le jeu au pied pour lui-même. Magnifique essai de Montbélian, incroyable. Superbe, superbe essai de Chabat. Allez, cette mêlée. Ouais, elle est gagnée par Montbélian. Le jeu au pied, magnifique. Et l'essai, magnifique. Il démarre pour Chabat. Chabat qui a sur la carte placée. Ouais, qui remet à pied. Magnifique. Et attention, ça va donner un essai. Superbe. Superbe essai pour de la Fontaine, je crois. J'ai du mal à voir, mais. Superbe. Et mon Yannet, quand je me suis écarté. Et ça va aller à l'essai. Et ils y vont, effectivement. Attention, on est dans l'embut. Ils y vont. Et on le voit, voilà, superbe avec ce plan. Il veut 17 à 5. Restez. Abimat. Allez, attention, ouais. Pourquoi pas. Ce ballon peut-être à jouer, attention, avec Barazzutti. Barazzutti qui est passé. L'essai de Barazzutti, Hugo. Et Barazzutti qui va marquer un essai. On arrive dans l'embut, essai. Il est là, le ballon. Essai. Ah non, on est le ballon est 30 cm devant. Bien vu. Il y a du monde à gauche. Il y a un 5 contre 1. Essai pour vous. Essai pour la Bièvre. La
part des Monégasques. Les Montmélianais, le jeu au pied. Ouais, c'est intelligent pour aller chercher la troisième ligne. Superbe avec Dems. Ah, Chabat, le jeu au pied pour lui-même. Magnifique essai de Montmélian, incroyable. Superbe. Superbe essai de Chabat. Allez, cette mêlée. Ouais, elle est gagnée par Montmélian. Le jeu au pied. Magnifique. Et l'essai. Magnifique. Il démarre pour Chabat. Chabat qui a sur la plaque placage. Ouais, qui remet à pied. Magnifique. Et attention, ça va donner un essai. Allez, superbe. Superbe essai pour de la Fontaine, je crois. J'ai du mal à voir, mais. Superbe, superbe, ah. Superbe. Et ils vont y aller quand je vous ai écarté. Ça va aller à l'essai. Et ils y vont, effectivement. Et ils y vont. Attention, on est dans l'embut. Ils y vont, ils y vont. Et on le voit, voilà, superbe avec ce plan. Il veut 17 à 5. Restez, Abimat. Allez, attention, ouais. Pourquoi pas. Allez, de retour, mon lièvre, t'étais pas à l'antenne encore. Attention, quand même un petit fumigène qui arrive et qui est avec nous. Alors voilà, on était sur une diffusion pour vous expliquer, hein, en full HD. Et chez certains qui n'avaient pas une bonne connexion internet, il pouvait y avoir quelques ralentissements. Alors pas chez tout le monde, ça dépendait un petit peu de vous. Donc là, on a fait quelques réglages, on a réduit un petit peu le bitrate, hein. On est passé de 1080 à 720, ce qui fait que tout le monde pourra comme ça regarder assez sereinement, alors qu'on a vu le ralenti du seul essai du match, mon cher Lies. Oui, effectivement, Hugo, on a assisté à une première période coup pour coup, des gros impacts, mais aussi beaucoup de fautes de main cause de la pluie, avec Montmélian qui maîtrise quand même assez bien le sujet et qui a pris tous les points qu'il faut aller prendre. Alors on voit ces fumigènes, la grosse ambiance aujourd'hui. Voilà, il y a le feu là-bas au fond. L'arbitre ne veut pas faire partir la partie à cause des fumigènes peut-être. Ah oui, oui. Alors ouais, c'est vrai que. Eh bien, merci à cause de vous. Il y a eu un budget fumigène aujourd'hui. Ah, voilà. On aperçoit Romain Trouillou. Où il est, Romain? Où Romain est Trouillou avec le fumigène. Ah ouais, joueur du FCG Rugby. Qui est un ultra castor. Allez, avec Alex Fontane. 13 à 3. Apparemment, ça s'est calmé. Ah oui, on voit les deux formations qui vont. Le banc va s'échauffer. Allez, c'est parti, Hugo. Renvoi d'Alex Fontane. Réceptionné. Allez, on est reparti. J'ai plus l'arbitre. Ici. C'est parfait, en première on reste comme ça. En première mi-temps c'est très bien, le couloir on reste comme ça. Sur la ligne. Lancé de Damien Pilot. Attendez. Là on entend beaucoup de bruit. Ouais, il y a du bruit. Premier lancé dans l'axe pour Damien Pilot. Allez, c'est parti. Ok, bon. Et on est reparti dans ce match avec ce ballon porté pour le castor. On va voir la réaction de la Bièvre sur cette seconde mi-temps. Avec une première qui a été dominée au niveau du score. Oh là là, le gros ballon porté avec Luleno qui avance. On est sur les 40 mètres. Le ballon toujours pour Luleno. La bonne défense de Montmélian. Première arrêt, il est lié, l'arrêt. Voilà, vous avez entendu. Ça a été arrêté une première c'est bon, fois. C'est le même ball. Zamora sur les 22.
On aperçoit bien Hugo sur les phases de rock Montmélian qui se ne consomme pas. Il y a le plaqueur. Laissez. Et attention, Fontane à qui croise, attention, c'est bien pour la Bièvre, mais la grosse défense de Montmélian qui ne lâche rien. Voûte au sol, le ballon qui revient, qui ressort avec Zamora encore, l'ex-joueur du SO Voiron à l'entrée des 22 mètres. Zamora. Laissez. Et on enchaîne. Fontane, ouais, attention, pas encore les fautes de main. Ouais, qui perd le ballon au plaquage, mais c'est la grosse défense. Marini, le jeu au pied, regarde, super jeu au pied. Paul Guénan qui en deux temps va récupérer le ballon dans ses 22 mètres. Allez, Paul Guénan, allez, est-ce qu'il va relancer? Paul Guénan, la relance de Paul Guénan qui a été bien plaqué. Et ouais, très bien plaqué, et pénalité logique, Lièvre, très logique. Ah, très très logique, Paul Guénan qui va s'isoler, qui est tout seul. Il aurait dû jouer au pied. Pas de soutien, regarde le ballon. Aïe, des fautes bêtes. Comme je disais tout à l'heure, Hugo, très efficace, les Savoyards. Hein, qui ne se consomment pas. Qui jouent au pied quand il faut jouer au pied. Et qui prennent les points lorsque la Bièvre leur donne des points, tout simplement. Marini qui les soulage énormément au pied. Hein. Ouais, il fait un gros match au pied, tu as raison hein, de le signaler. Et attention parce que regarde, hein, 3 points qui pourraient... faire 13 d'avance, ça commence à être sérieux, Lièvre. Hein. Exactement, Hugo. Après, Montmélian venait ici, on le rappelle, hein, leader incontesté, incontestable. Hein. Très, très, très grosse équipe. Invaincu, on le rappelle, cette année. C'est très propre. Et on le voit, il récite un rugby maîtrisé, hein, Lièvre. C'est très, très propre. Quelle équipe. Ils alternent, ils ne se consomment pas auprès des rocs. Saint-Jean qui a égalisé 10 partout face à Millau. Et ça passe. Et la pénalité de Marini qui passe entre les perches. Plus 3 pour Marini. Marini qui est l'homme de cette formation-là pour l'instant. 16 à 3 pour Montmélian. Allez, renvoi Alex Fontane. Allez, Alex Fontane, est-ce que la Bièvre va avoir une réaction à domicile? Ils peuvent pas rester comme ça. Ce ballon récupéré, mais Montmélian, vraiment, ils sont impressionnants, l'IS. Hein. Ah oui, c'est très propre. Hein. Les réceptions, les coups d'envoi. Ils sont très impressionnants. Et ça avance, et ça avance encore. Tout ce qui est fait par Montmélian est fait proprement. Même leur numéro 9 est dans le pack, il avance. Allez, regarde, c'est parti avec le départ de Pérouse. Le pilier chevelu sur les 40. Pérouse, Chambon qui rejoue ce ballon. C'est bien fait avec Hogg. Regarde, on est passé encore et en avant sur les 40. En avant de Montmélian. Eux aussi font des fautes. Montmélian aussi font des fautes, Hugo. Ouais, ils en font pas beaucoup quand même. C'est le capitaine, on était très bien au début. C'est pour ça, je dis juste. Montmélian noir. J'aime bien les neufs, ils aiment bien parler avec l'arbitre. Bah, c'est comme ça. De toute façon, tu n'es neuf, hein, comment dire. Ils aiment bien tu l'as dans le sang. Hein. Tu l'as dans le sang. Que ça soit Alexis Wout ou Chambon, ils aiment bien. Elle est verte ou noire ? Là, elle est noire. Okay. Belle moustache de monsieur l'arbitre Hugo. Ouais. Belle moustache. Et la pluie recommence à tomber, Hugo. Ouais. Flexion ! Lié ! Allez, placement Alexis Wout dans les 40. Ouh là 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 là, ça recule. Ouais, grosse poussée montmélianaise, le ballon qui va sortir. Avec Wout pour Fontane. Allez, avec Leno, la combinaison. Et on va chercher Wout à nouveau. Le jeu qui est direct. Directement en touche. Alex Wout qui. Ouais, mauvais jeu au pied d'Alex Wout. Beaucoup de précipitation, je trouve, Hugo. Beaucoup de précipitation. Et il y avait une belle combinaison. Est-ce qu'on peut voir un peu les coachs les peut-être en bas À 5 Les noirs À 5. On aperçoit Eddie Zamora qui motive et qui essaye de faire réagir les troupes. Le saut au carap. Allez, avec cette touche. Attendez. Balle. C'est parti. 5. Ça avance encore. 6 hors jeu. Côté. Ouh là 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 là, ça avance. La Montmélian qui a mis la marche avant une nouvelle fois.
avec Désiré. Non, il est là, le dispo. C'est bon, non, restez là. Il y a un avantage, on passe sur le côté. Restez, restez là. Allez, ballon qui ressort une nouvelle fois. Jouti. Et on enchaîne Chambon et on va reprendre une pénalité et des points. Yes, ils vont tout prendre. Ils vont tout prendre, hein, ils l'ont pris. Ouais, ils ont raison. C'est le jeu, hein, au match aller. En match aller, tous les points sont importants. 3 points. On voit l'intelligence du collectif. Hein. Ils ne décident pas de prendre la touche. À chaque fois qu'il y a des pénalités, ils les prennent. Vinet qui n'est mené plus que 10 à 6 du côté de Balma. On était très bien. C'est une belle performance pour l'instant pour Vinet Hugo. Ah oui. J'ai essayé de voir si j'ai d'autres résultats. Saint-Jean. Là, tiens, la Fédérale B, la 2 de Saint-Jean, qui mène face à Salanque, hein, qui pourrait se qualifier également. Ah, ça tombe, Hugo. On voit bien la pluie qui tombe. Marini qui pose le ballon. On est à 35 mètres. Ah, il en a pas manqué. Il en a pas manqué. Hein. Si, il a manqué la première. Ah, si, il a manqué la première. T'as raison, la toute première. Elle a pour l'instant Montmeillan qui fait sa loi, hein, aujourd'hui. Sur ce match. Et ça passe, ah ouais, Hugo. Entre les perches, c'est parfait même. Yes. Marini, match parfait. Je viens de dire que plutôt cette charnière plus 15 de Montmélian. Encore une fois, ils sont au niveau, hein, l'IS. Hein. Ah ouais. En plus, ils ont la maîtrise surtout. Ils ont vraiment la maîtrise surtout. Et là, ils vont devoir réagir. Ils peuvent pas, avec tout le public présent ici, rester sur un 19-3 du côté de la Bièvre. Mais pour l'instant, il va falloir faire fort parce que Aaron et ses copains de Montmélian. Pénalité. Là, ça se chauffe. Gros plaquage. Je pense que l'arbitre va mettre un carton, Hugo. L'arbitre va mettre un carton. Ouais, j'ai vu. Aïe. Ah, tu as vu quelque chose, Lies, oui. L'arbitre, il va mettre un carton. Tiens, on va revoir le coup d'envoi, regarde. Ouais, j'ai vu. La tire roule, à mon avis. J'ai vu, c'est bon. Ah ouais, plaquage un peu haut. On va aller voir l'arbitre. Et on va l'écouter, surtout, Lies, voir ce qu'il nous dit. Pour moi, j'ai le trois doigts. Je vais mettre un coup de poing au visage. Exactement. Une pénalité carton rouge. Ouh là 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 là. On a entendu pénalité carton rouge. Hein. Capitaine. Ah oui. On va écouter. Ah oui. Ah oui. Le froid. Avec moi. Numéro 3. Je suis sur un coup de poing au visage. C'est carton rouge. Et carton rouge. Ah oui. Coup de poing en visage. Ah oui. C'est pris d'avant. Une chance du match. Ah là 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 là, Hugo. À 14 contre 15, ça va être très 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 compliqué. Ah bah, ça va être encore plus compliqué. À moins qu'ils ont plus d'un tour dans leur sac, comme ils l'ont fait à Prades. Mais là. Oh là 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 là. C'est pas Prades en face. Donc derrière la Valérie Marzullo, il doit être fou à l'écran. Ah, connaissant Valérie. Après, on va la revoir, Lies. Connaissant Valérie. Il est où? Ah, il est en bas. Le numéro 3. Ah, là, il y a pénalité, plaquage haut. Stop. On voit le plaquage haut. Le bras tendu de l'arbitre. C'est à quel moment alors? Ah, sur moi. Ah, oui. Il l'a vu. Allez, attention. C'est reparti. Et Montmélian qui, du coup, a toutes les cartes en main pour ce match à 15 contre 14 avec ce ballon porté. Est-ce que les castors vont avoir du cœur, Hugo? Est-ce qu'ils vont avoir du cœur? Je sais pas si ça suffira parce que là, c'est un rouleau compresseur montmélianais. Ça se chamaille encore. Un rouleau compresseur montmélianais. Aïe, 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 ça part. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Peut-être un peu de frustration de la part des castors, je sais pas, mais... Allez les gars, restez concentrés. Ouais, là, c'est en train de partir un peu en vrille dans ce match. L'arbitre, est-ce qu'il a vu quelque chose?
Alors, on va voir l'arbitre assistant. Pour être honnête, l'arbitre a perdu le micro, Lies. Aïe, aïe, aïe. Va-t-il sortir un autre carton ? Hugo, va-t-il sortir un autre carton ? On va voir. On a perdu la liaison avec l'arbitre. Sol. Oh là 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 là. Le match qui est en train de tourner là. Ah, il va être peut-être Clément à avertir les deux capitaines. Votre. On a perdu l'arbitre, Hugo. Ouais, on a perdu l'arbitre. Voilà. Il y aura juste pénalité. Bon, ce sera pénalité pour la Liève. Pas de carton, hein, Lies. Pas de carton. Ah, une touche très, très petite touche de la part d'Alex Fontane. Allez, faut rester concentré au jeu. Ah oui, un gros changement, Hugo. Alors que du côté de Nîmes, de Vienne, c'est Vienne qui mène 24 à 3 face à Nîmes. Un match incroyable. Hein. Ah, les Viennois qui sont en train de faire une performance remarquable. En quart de finale, aller de National 2, Lies. Voilà. Allez, attention, ça repart à 14 contre 15 avec Louis Leno. Louis Leno qui avance. Est-ce qu'ils vont se révolter? Les Castors, ils sont menés et ils sont en infériorité numérique. Louis Leno, à nouveau, qui avance. Le ballon qui va ressortir pour la Bièvre. Pourquoi pas, Hugo? Pourquoi pas? Et ont-ils du cœur? Zamora. Pourquoi pas? Nati Leroux qui reste debout. Très difficile à faire tomber, Nati. Allez, ça revient. Alex Fontane. Loïc Minanol. Je suis un petit peu étonné de ne pas avoir rentré Giovanni dans ce match, peut-être un peu plus tôt. Ah là, c'est reparti de l'autre côté là. Oh là 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 là. Allez, ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah, des deux partout. Ah, Chambon, il est chaud, hein, Chambon. C'est bon. Ah, mais, oh, match c'est très bon. Tendu, on l'a vu. Hein. Ah, on sentait qu'on n'était pas loin d'exploser depuis le début. Maintenant, on arrête de parler. Reculez. Merde. Stop. On recule. Reculez sur les carottes. On va calmer le jeu. Je vous laisse une. Ouais, les deux. À mon avis. Tu as quelque chose. Moi, je l'ai le très faire. C'est le 13 noir, le 20 vert qui est accroché. Je vous avais prévenu, je mets un jaune de chaque côté. Oh là 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 là, un jaune de chaque côté. Ouais, on joue à 13. A priori, donc il y aura un carton jaune, si j'ai bien compris, pour Jos Julien, côté Bièvre. Et j'ai pas entendu hein, le numéro. Je crois que c'est Chambon, le 9. Les capitaines, le 13 noir et le 20 vert. Ah, le 20 vert. Le 20 VRA, à savoir Laurent. J'avais prévenu là juste avant, il y a un accrochage, ça sera jaune. Vous avez... Top. C'est un jaune du 13 et un jaune du vert. C'est le noir qui vient tirer en premier, ce sera pénalité contre les noirs. Pénalité contre les castors. Ah oui, un gros banc qui va rentrer, Hugo. Et ouais, mais la deuxième mi-temps qui ressemble à un cauchemar là pour la Bièvre. Et Montmélian qui a pris les devants sur le score, les devants également au niveau de l'effectif. Dis-moi, Lies. Alors, s'apprête à rentrer Dorian Dorès, Dodo et Nicolas Perrault. Donc, du volume pour combler, je pense, le trou de. Allez, Marini qui va prendre les points à 50 mètres face au perche. Ouais, ça va combler le trou de Rêvelin. 50 mètres face au perche. Allez. Il les a dans les jambes, Hugo. Ce match qui a tourné une deuxième mi-temps étonnante, hein, l'IS.
émaillé de carton. Marini qui a le test de pénalité dans les jambes. Hein. Et là, si elle passe, ça pourrait faire 22-3. Et ça pourrait faire très très mal au Castor. Oh, elle part très il bien. Les a dans les jambes, ah, Hugo. Ouais. Large, large, large. Aïe. Magnifique, aïe, aïe. Marini. Vraiment magnifique. Qui va pouvoir arrêter Montmélian, Hugo? Ah, je sais pas. Voilà, encore des changements. Est-ce Chambon. Que Léo Gianni va rentrer ou toujours pas, Alias? Ah, bah là. Je pense que c'est pas assez servi du jeu au pied, Hugo. Ouais, mais. Côté des Castors. Là, du volume qui vient à rentrer. Je trouve Fontane pas totalement dans son assiette, là, en deuxième mi-temps. Le 10 de la Bièvre. Ouais. On revoit cette pénalité de 50 mètres, là, 48. Vont-ils relâcher, Hugo, tu penses, Montmélian? Non, Montmélian ne relâchera pas. C'est très, une très, équipe très, qui très n'a jamais renvoi. Relâché de l'année. Très haut renvoi. Allez, Marini encore. Ah. Le coup de pied directement dans les mains de Perrault qui vient de rentrer en jeu. Le champion d'Europe de force athlétique, Nicolas Perrault. Dorès qui avance. Ah, Dorès. Est-ce qu'on va avoir une réaction de la Bièvre? Peut-être. Il y a un surnombre à gauche, mais oulala. C'est Samy Chabat qui récupère. Samy Chabat. Samy Chabat. Personne incroyable. Ne rattrapera Samy Chabat. Ah, c'est Barazouti qui arrive. Ouais, Barazouti qui va revenir sur Samy Chabat. La passe, attention. Pour aller chercher la fontaine. L'essai de 100 mètres qui vient quasiment tuer le match. Incroyable. Ah non. Non. L'arbitre. Ah, en avant. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il siffle, l'arbitre? Ah, on va revenir sur le plaquage. Non, on va prendre le temps. Incroyable. On attend. Tiens, ah non, c'est avant. On la joue pas vite, il y a tout le monde là-bas, ils ont pas vu. Pour revenir, ça se joue avant. On baisse le plaquage. Plaquage haut. Aïe, heureusement, sauvé par le gong. C'était. C'est là le plaquage. Ouais, là. Non. Là, peut-être celui de Camille. On décide d'aller en touche. En tout cas, ils avaient fait une course incroyable. Hein. Samy Chabat et La Fontaine. Et Barazouti qui avait fait l'effort. Consécutif, on baisse les plaquages. Allez, faut s'appliquer sur la touche. Ah, et là, c'est un moment important pour la Bièvre. 22-3. Allez, à 14-13. Attention, cette équipe de la Bièvre qui était déjà revenue sur le match précédent. La touche, ça va faire un ballon porté. Qui va partir, c'est bon. Il est là, ça ce ballon porté. Et est-ce qu'on avance? Avantage. Ah, le ballon au sol, très bien défendu, il y aura une faute. Et on va retourner. Coulé, c'est bon. On va retourner. Top, c'est pas dynamique, on est au sol. Vous êtes au sol, Berla. On joue à 14 coulé. Contre 13, hein, on le rappelle, yes. C'est ça, c'est vous que je prends. 14 contre 13. On va couler. Ah, ils se sentent forts, ils ont du cœur, c'est Castor, Hugo. Ils ont du cœur, ils vont la jouer à la main. Comme vous voulez, non. Ils vont jouer à la main. Ouais, c'est parti. Oh, l'essai. Oh, l'essai. Bien l'essai. Et ben voilà. Ils ont du cœur, Hugo, ces Castors. Vont-ils le refaire? En force, l'essai. Vont-ils faire ces 20 minutes américains, Hugo? Ah, bah, je sais pas, mais en tout cas, là... C'est bon. L'essai en force de la BM. De cet homme, le roule. C'est le roule hein, qui a marqué. Ah, oui, c'est ouais. Ça. La trois gros hommes forts qui viennent de rentrer en deuxième période, Hugo. Le roule, Dorès et Nicolas Perrault qui amènent toute leur puissance dans le pack. Et Rieu maintenant qui rentre. Allez. Ça va peut-être relancer. Garde. Ah ouais, quel match. Changement. Et c'est vrai que la Bièvre. Changement. L'ont déjà fait une fois hein, de revenir comme ça. Non, t'as pas entendu. Non, je disais. Je disais, ils l'ont déjà fait de revenir ah sur oui, un match. Oui. Ah oui, ce que en je disais. Finale. Ils ont du cœur, ils ont leur public avec eux. Allez. Vous avez pas le ballon? Pas de ballon. Vas-y.
Faudra un ballon. Un ballon, Seb. 10 à 22. Avec peu de ballon. Le 10. Le 10, non. Il n'y a plus de ballon. Il n'y a plus de ballon. Mon liesse. Léo Djouani qui va rentrer au milieu. Ah, Léo Djouani, on l'attendait. Elle est sortie d'Alex Fontane à l'écran. Bien derrière. Allez. Réception Barazzucci. Allez, Barazzucci qui revient. Lenoki. Hop. Et on avance sur les 22 mètres. Placajou encore ici une derrière. Fois. Attention, il y aura la balle. Allez, vite. Allez, vite. Qui a pris le trou. Qui est parti. Et le jeu qui continue. Il y a un joueur qui est resté au sol du côté de la Bièvre. Et on était hors jeu. Avantage. Sami Chabat. Il y aura un deuxième avantage. La Bièvre qui continue. Qui enchaîne. On avance. On avance. On est sur les 50 mètres. Ballon. Il y aura deux avantages. Il y aura une deux fautes. Et on va revenir avec Nico Perrault. 45 mètres. Le ballon qui ressort une nouvelle fois. 100 balles, 100 balles. Giovanni, 100 balles. Qui a joué ce ballon avec Maclé. C'est bon, restez là. Le ballon qui ressort pour la Bièvre, 22-10. Avec le roule encore. Fini les mains, c'est plus les mains. Allez, restez 20 minutes. Ballon pris un peu haut et on va revenir à la faute. C'est bon, c'est bon, les gars. C'est au 40 là-bas. On repart là-bas. On va revenir à la faute. Ah, le match est en train de tourner, Hugo. Montmélianais sont en train de se... Tiens, pénalité, c'est bon. Une discussion entre eux. On a tapé. Capitaine. Alors que Vinet mène 16 à 13 à Balma. Incroyable. Et que Saint-Jean, ici, on vient taper. 20, Millau 23. Ça s'est resserré de partout. On attend. Et là aussi, c'est en train de tourner. Le vent est-il en train de tourner, Hugo? Je sais pas, parce que Montmélian, ils ont quand même fait une heure très 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 impressionnante. Et qu'on joue quand même à 15, à 14 contre 13, hein, l'IS. 6, 6, on est à 4 points d'affilée. Et que ça pourra avoir une, ça pourra faire une différence. Ouais, placageau là-bas, et ensuite on vient taper sur le ballon. Tiens, ça marche. Vous venez de rentrer. Ouais, c'est donc ça. Je fais la marque. Allez, on va faire cette touche. Sur moi. Allez. Premier noir. Vont-ils le faire, Hugo? Vont-ils réitérer la performance? Je sais pas, parce qu'il y a quand même en face une équipe extrêmement solide. Allez, c'est parti avec cette touche. Oh là là là, bien récupéré par Montmélian. C'est bon. Avantage. Non, non, c'est au ballon, c'est au ballon, les gars. C'est bon. Il faut être précis. En avantage. Le petit détail, le petit geste. Mets les verts. Pardon. Le allez, l'IS. En avant, ouais. Au 15, ouais. Je sais, ouais. C'est on bon. On va rejouer allez. Cette touche. Ici, ici, les gars, là. Ici. Cette mêlée les plutôt. En avant. Allez, en avant, mêlée vert. On est. C'est dans bon. Les... On a 30 place, mètres. On garde des commandements lents. Il n'y a rien mètres. Eu depuis le début, on dans reste le... lent. Mêlée vert. Je recule après. Hein. Allez. Flexion! Lié! Placement! On vient! 15 minutes, il reste. Cassé. Allez. Ballon récupéré par les Montmélianais qui vont pouvoir remettre un petit peu de jeu dans ce match et de jus. On sait qu'ils sont capables. Restez! Non! Parfait, nickel, c'est bon! Allez, ballon conservé par Montmélian. Son ballon! Plaquage! Soutien de Noël! Rock noir! L'arbitre maîtrise bien le sujet, Hugo. L'arbitre parle bien aux joueurs. Jouez là. Il parle des deux côtés, c'est vrai. Jouez là. Derrière. Non. Il va falloir jouer le ballon. Le jeu au pied. Et récupération de Lou Léno. Pardon. Léno avec Paul Guénan. Paul Guénan. Oh, attention. Je ne sais pas s'il n'était pas... Ah non. C'était illicite. C'était illicite, estime monsieur l'arbitre. J'avais l'impression qu'il revenait... C'est bon. Mais on n'a pas restez dû voir le début de l'action. Restez. Marini qui va ressortir ce ballon. Il va jouer au pied. Ouais, il y a un surnombre à gauche. Il a fait le trou, c'est magnifique. Avec pétence. Et voilà peut-être le ballon important pour Roéa. Qui a été plaqué, l'essai. L'essai de Roéa en bout de ligne. Marqué par les Montmélianais. L'essai qui va sûrement mettre un coup sur
la caboche des joueurs de la Bièvre. Dès que ça accélère, dès que ça... On va le revoir, yes. Très bon le Chambon. Hey, restez dans votre zone. Chambon, c'est un joueur incroyable. Et voilà, ça joue restez après contact. Restez dans votre zone. Il y a du soutien sur les extérieurs. Et voilà, le tour est joué. Ah, qu'est-ce que c'est bien joué. C'est une équipe qui régale à avoir joué l'IS. Très solide devant. Très efficace derrière. C'est assez impressionnant. On voit le sourire de Maxime Voûte. Ouais, mais ils peuvent être fiers d'eux. Les Montmélianais. Quel match encore ils sortent aujourd'hui, l'IS. Ah oui, oui. C'est un beau rugby en tout cas. Hein. On se régale cet après-midi. Ah, de toute façon, tu n'es pas invaincu toute l'année. Pour rien. Hein. Marini qui est aussi impressionnant dans les statistiques. Allez, Théo Marini. Ouais, Marini qui fait un match incroyable. Hein. Il les a mis à 50 mètres face au perche. Il est là. Regarde. Il en a la qualité de ce joueur. Incroyable. Et elle passe. Elle passe à côté. Bon. Tout juste à côté. Ok, parfait. Ouais, en tout cas, l'IS, ça va faire mal. Ça va faire mal aux joueurs de la BF cet essai alors qu'ils pensaient revenir. Mais d'un autre côté, à 14 contre 13, c'est compliqué. Allez, renvoie Dio Giovanni. Hop. Aïe. Ah, il a touché l'intérieur du terrain. J'avais cru qu'il sortait directement. Ouais. Ah, il est direct. Elle est directe ou pas? Indirect. Indirect. Okay, on touche. Il y a un jeu tout à côté. Indirect. Ici. Donc ça donnera une touche. Les arbitres n'ont pas d'oreillette entre Hugo. Eh ben, ça dépend en fait. Il faut savoir la fédération ne fournit pas aux arbitres. C'est les arbitres qui le souhaitent d'acheter leur matériel ou au club de les prêter. C'est un petit peu un système bizarre. Donc tous les arbitres ne sont pas équipés en fait entre eux. Ok, c'est bon, on lâche, c'est plié. Allez, attention, ballon porté. Là, ça avance encore, hein, ça avance. Hein. Ah, mais quelle équipe de Montmélian. Parce qu'ils sont venus, il fallait se le faire. Ce match royal ici. Avec ce ballon encore. Inarrêtable ce vin qui est rentré là. C'est Laurent. Allez, le ballon avec Hogg. Et ça va, 10 000. Marini qui fait la différence. Et je disais, il fallait quand même se payer ce match ici, à l'IS du côté de Montmélian, venir dans une ambiance un peu hostile. Et tu vois, ils ont une vraie marge de manœuvre. Psychologiquement, ils sont forts. Techniquement, ils sont forts. Parfait. Quoi dire, Hugo? Et Balma qui mène 23 à 16 face à Vinet. Les Vinet qui sont accrocheurs. Hein, et il restera un match retour à la Bièvre qui doit absolument aller... pour espérer quoi que ce soit, aller chercher un bonus défensif peut-être au moins. Capitaine Paris, allez, il reste 10 minutes. Reculez bien. 10 minutes. Allez là. Ouais, décalez-vous. Ah, ça a été dur. On voit les organismes, Hugo. Ça souffle, regarde. Ça a tapé fort, ça a couru. Oulala, la très belle touche de Marini. Marini. Très très belle touche de Marini. Il est dans un fauteuil, Théo Marini, là. Et Millot qui mène donc à Saint-Jean-Royan 23-20. Mon l'IS. Millot qui mène à Saint-Jean. Hein. Ah oui, ça c'est une surprise aussi. Hein. Ouais. Allez, on va jouer la touche. Je vais vous chercher d'autres résultats. Complet. Ici. En fédéral 2. Saint-Priest qui mène à plaisir. C'est une surprise également. 15 à 10 pour le. Plaisir. Ouais. 78, région parisienne. Je dis ça parce que j'y ai habité. C'est vrai? Ouais. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas de toi. Plaisir d'offrir avec l'IS. Et c'est parti avec Montmélian. Regarde. Non. Ce nouveau ballon porté. De la bière. Hein. Allez, faut jouer maintenant. Il n'y a plus rien à perdre. Faut jouer. Allez, Léo Giovanni. Il faut jouer. Il n'y a plus rien à perdre. Allez, faut envoyer du jeu. Rieux qui avait sorti le ballon pour la Bièvre. Ah, ça avance pas, Hugo, hein, malgré l'envie de jouer. Il y a une infériorité numérique qui, forcément, ouais, malgré ça doit pas aider. Malgré l'envie de jouer, ça avance pas. Avantage en avant. Ouh là là, ballon récupéré par les Verts. Ouais, attention, parce que là, ça peut vite faire mal. Avantage vert. Aïe, 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 aïe. Deuxième vert. C'est... Allez, vert.
Allez, j'essaye. Je crois qu'il y a une supériorité évidente hein, aujourd'hui. On voit le regarder, on voit le regarder noir là, qui regarde, qui ont un regard un peu vide. Ouais, et puis ils doivent être, fatigués de leur match. Allez, prenez un peu plus d'espace. Ah oui, ça a été un match très très engagé, Hugo, des deux côtés. Hein. Première mi-temps avec des gros impacts. Est-ce que le carton est rentré? Voilà, il nous reste, on est revenu à 14 contre 14, l'IS. 15 contre 14. Un carton rouge de la part de... Lié. Placement. Tiens, on embrasse Da Bobonne qui est avec nous en live. Dans les 20 mêlées, dans les 22. Allez, allez, attention, regarde ce ballon au pied parce qu'ils ont vu une liée démarquée. Ouais, c'est ça. Non, c'était trop fort pour La Fontaine. Un petit peu trop fort pour La Fontaine. Allez, vous pouvez... Allez, il y a quand même des gestes de fair play, hein. On voit bien. Bah, je pense qu'avec le match quasi joué, les 2-21 qui se tapent dans la main, avec ce match quasi joué, l'IS, la pression qui va retomber hein, dans ce match, forcément. Et Saint-Jean qui prend l'avantage face à Millau. Attendez. À la maison, 27 à 3. Vas-y, Jean-Claude. Ah bon, allez. Et bon, 27 à 3. On y va, ouais. T'as pas le ticket. Allez, la touche. Aïe 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 aïe. Léno, non, c'est perdu. Et attention, un nouveau hog. Ça joue. Aïe aïe aïe. Et ça joue. Avec Laurent. C'est très très explosif. Ouais, il a pris le trou. Ah. Ouais, ce ballon bien plaqué par contre, mais ça reste vert. Là, ils sont dans tous les soutiens. Les verts, ils sont au soutien. Ouais, c'est magnifique. Okay. Franchement, bois fou en première ligne. En avant. Ah, pénalité. Non, en avant. En avant. Bien vu. En avant de Samy Chabat. Ma Il reste quoi 7 minutes en infériorité numérique. Qu'est-ce qu'on peut espérer du côté de la Bièvre, l'IS? Eh ben, on peut espérer un sursaut d'orgueil, peut-être, ou du cœur, au moins pour finir. Quand je dis finir, finir cette partie devant leur public. C'est peut-être pour eux la dernière fois. De la saison qui joue à la maison. Okay. Allez, on va pouvoir jouer cette mêlée. Dipeg. Flexion. Lié. Allez, c'est parti. Placement stable. Voilà, ça recule. On pousse avant. On pousse avant. Allez, ils emballent. Ouais, ils vont tenter le tout pour le tout, les joueurs de Saint-Jean, de la Bièvre, pardon, avec Léno. Voilà, on observe bien la défense qui prend le large, qui prend la ligne. Et on pourra noter 38 à 3 pour Vienne face à Nîmes. Allez. Incroyable le match de Vienne. Et Léo Giovanni qui fait une belle rentrée, Léo Giovanni. Hein. Je lâche, vert. Qui décide de porter, d'avancer. Ballon en main. Nicolas Perrault qui tient sur ses jambes. Et ballon qui ressort. Allez. Avec Pilo. Louis Léno. Ah oui, ça monte très très vite en défense. Pour les 5 dernières minutes. Ça monte très très vite en défense. Son ballon. Oula, ballon arraché. Ah, ça reste récupéré par les castors. Blocage. Ah, cette passe dans les chaussettes. Il est gentil là. Ouais, non, c'est normal, elle est touchée avec le tibia. Maclé. Le ballon peut-être sur le côté. Allez, ça va ressortir une nouvelle fois. On est à 30 mètres. Hors-jeu. Non, c'est hors-jeu, c'est le 17. C'est le 17, c'est pas. Et Balma qui prend l'avantage 30 à 16. Ça ils ont avancé le ballon en main, hein, Hugo, hein, de 40 mètres. Ouais, après, je pense que Montmélian a peut-être desserré un tout petit peu l'étreinte, l'IS. Voilà. Allez, touche à 5 mètres. Allez. C'est bon.
5 mètres vert. Noir à combien? Allez, faut s'appliquer sur cette touche. Parfait. Ici, avancez-vous. Vous gardez le couloir, les verts. Négatif, on n'est pas lisse. Allez, faut s'appliquer sur la touche. Allez, c'est parti, la touche. Réception de Gilles Anouk. Ballon porté. Et attention, on va avancer encore, on va avancer encore. Laissez. Un essai pour la BM. Oui. Un essai d'orgueil. Un essai d'orgueil, Hugo. Ah oui. On va le revoir. Un essai d'orgueil, Dorès. Dorès, très très dur à prendre. 1, 2, 3, 4 joueurs sur lui. Continue à avancer. Il en mobilise énormément. Allez, on va pouvoir aller chercher la transpo. Allez, elle est importante parce qu'elle pourrait quand même remettre la Bièvre à 10 points de retard. Probablement insuffisant pour aller l'emporter. Et ça passe. Point de retard, c'est absolument rien, Hugo. Ouais, mais il reste pas beaucoup de temps. Hein. Il reste trop peu de temps pour la Bièvre. Le gros du boulot avait été fait par les Montmélianais. Ouais, on a vu leur entraîneur faire du coaching, sortir 4 joueurs d'un coup devant. Je l'ai dit déjà, les joueurs, moins de 8 minutes. Allez, renvoi loin dans les mains de Leno. Voilà, allez, et il avance encore Leno. Il avance, ouais, l'énergie un peu du désespoir pour la Bièvre. Pourquoi pas dans cette fin de match. Pourquoi pas, ça joue. C'est pas en même temps, Joe. Pas grave. Pourquoi ils ont pas joué comme ça dès le début, Hugo? Allez, on avance encore. Pourquoi Giovanni. Et ouais, ils sont mis à jouer un peu tard. Vont-ils peut-être le faire? Ouais, ça me paraît short hein, en termes de timing. Ah, tu sais pas, Hugo. Allez, ah, on joue quand même la 79e minute déjà. Aïe. En avant. Tu as raison, ils se sont mis à jouer un peu tard, les castors. C'est bon, j'ai pas vu. Stop. Ça peut-être chauffe, pris par l'enjeu. Allez. Et... Mets les verts, comme avant-bas. Allez, mets les verts. On est à 30 mètres. On a les oreilles qui saignent un peu là, j'avoue. Allez, ici. Très belle rentrée de Léo Johnny Hugo. Hein. Ouais, c'est vrai, un peu tard peut-être. Ouais, Léo qui envoie du jeu. On aurait voulu le voir jouer presque un peu plus, Léo Johnny. Ancien numéro 10 de la Smida. Moins de 7 minutes. Meilleur buteur de la Fédérale 3 de l'an dernier. Le supporter se réveille aussi à la 79e minute. Placement. Stop. Vont-ils taper en touche, Hugo? Bon, 10 points d'avance, à mon avis, ils vont aller prendre des 3 points. L'arbitre est en train de faire la police, ça chamaille encore. Et je pense qu'ils vont aller faire des 3 points. Non, je vous l'ai dit, il y a moins de 7 minutes, 6 minutes. 6 minutes à jouer, tu vois, t'avais raison, il y avait peut-être le temps, mais là, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont aller chercher les points. Ouais. On aperçoit Forest qui amène le tee. Allez, cette pénalité qui pourrait remettre Montmélian avec une avance confortable, hein, Lies, dans cette fin de match.
Oui, oui, énormément de changements du côté de Montmélian. Peut-être pour mettre des cadres au repos. Marini. Et elle passe pour Marini. Quel joueur, Théo Marini. Ça se chambre des deux côtés des supporters, Hugo. Ouais, ouais, mais ceux de Montmélian, ils peuvent être fiers. Ah ouais, ça se chambre. Allez, engage. Léo Joanny. Allez, Léo Joanny, renvoie court, en avant pour Montmélian. Le renvoi. Première en avant. Deuxième noir. Et les verts. Ah, mais les verts. Première en avant-vert. Ah oui. Oui, oui, non, première en avant-vert. Il s'est trompé. Ouais, première en avant-vert. Allez, on est jusqu'à la fin. On est à la 82e minute, Hugo. Tu gages de ce côté. Ouais, l'enjeu, c'est un bonus défensif pour la Bièvre. Allez, stable, les appuis, les coups d'eau, les coups d'eau. La Bièvre qui se sera mis aussi beaucoup à la faute, hein, Lies. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Placement. Ça pousse, hein. Ça pousse, hein. Allez, c'est reparti. Léo Gianni. Le ballon pour Julien. Non, c'était Maclé, pardon. C'est par terre, vert. Première main à gauche. On essaye de mettre un peu de vitesse pousse, avec Rieux. Et on rentre dans les 22 mètres. Non, oui, ballon perdu. Oh là là, encore hier. Marini, incroyable. Il l'a récupéré. Il a fait 20 mètres. Ça va vite. Et regarde, le coup de pied quasiment parfait. Ça va vite. Regarde, laissez. Ça va vite. Laissez. Qui vient conclure le match. Ça va vite, ça va très très très, très vite, Hugo. Quel essai encore. Ça va très vite. Contre, ah oui. Quelle équipe, quelle équipe. Aïe, Valérie Marzolo qui rentre sur le terrain, on comprend pas pourquoi. Quelle les bras. Équipe. Incroyable. Un essai de Marini. Marini, pour moi, Hugo, l'homme du match. Hein. Oh ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi, regarde. On revoit ce ballon perdu. Gratté, il est gratté, il l'a vu Marini. Il a le droit, il manquait de soutien. Et là regarde, un joueur, deux joueurs, il s'arrache, il est intelligent. Il lève la tête, hop, le jeu au pied. Et Chambon qui suit, qui va très vite Chambon. Ah ouais, Chambon, quel joueur également. Après la France, il y a 30 secondes, il reste 5 minutes. C'est Hogg. C'est Hogg. C'est pas Chambon, c'est Hogg. Oui, c'est Hogg qui a marqué, ouais, tout à fait. C'est Hogg qui va très vite. Bon, bah. Terminer le bal, Hugo. Ouais. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein, mais ça va tellement vite du côté de Montmélian. Alors, Valérie demande un plaquage haut. Il gueule après l'arbitre. Ah, il y a quelques petits mots qui arrivent. Ça sent pas bon, Hugo, là. Non, mais bon, je crois que la frustration, la supériorité de Montmélian était importante aujourd'hui. Les supporters bièvrois, on les entend plus. C'est bon, ballon là. Ah, c'est logique, c'est logique. 37 là, à 17. Ça va taper en touche, je pense. Ouais, je pense que ça va être la fin du match. Allez, fini. Allez, derrière. Dernière, il a dit, monsieur l'arbitre. Eh ben non, ah non, ils veulent jouer. Ils veulent jouer, hein. Ils veulent avec jouer, ils veulent jouer. Léno qui récupère pour la Bièvre. Il reste debout, Léno. Hein. Un vrai déménageur, Louis Léno. Ouais, c'est bien, là, Louis Léno, ce qu'il a fait. Et le ballon est là. Testé. Allez, faut jouer. Ils ont plus rien à perdre. Hein. C'est étonnant qu'il n'ait pas mis en touche. Ouais, regarde avec Maclé. Maclé qui est parti, il a Paul Guénan à gauche. Aïe, ah aïe, la aïe, passe aïe, aïe, pour Paul Guénan. Et en avant. Aïe 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 aïe. Ah, c'est la fin, Hugo. Ouais ouais, bah, de toute façon, ça fait déjà quelques minutes qu'on savait. C'est la fin, Hugo. Ouais, ils auraient. Qu'est-ce qu'on peut faire face à une formation savoyarde comme celle-ci, Hugo? Il n'y a pas grand chose à faire. Ils ont tout donné, les castors. Ouais, mais Montmélian, c'est une sacrée équipe. Hein. Et ils l'ont reprouvé aujourd'hui. Ils l'ont prouvé aujourd'hui encore. Après, il y aura quand même un match retour, mais... Ils l'ont prouvé aujourd'hui avec... avec des gammes exceptionnelles. Ouais, c'est propre, ça joue, c'est juste. Allez, on respecte.
Ouais. Flexion. Ah, les supporters de Montmélian se sont réveillés. Ouais, mais c'est logique. Il y avait au moins 1500, 1800 personnes hein, aujourd'hui. Allez, c'est fini. Allez. Et la victoire de Montmélian, 37 à 17. Et ils ont sûrement fait un très grand pas hein, vers la qualification, mon cher Lies Montmélian. Quelle équipe. Même un club de la Nièvre remonté comme jamais ne pouvait pas faire grand chose aujourd'hui. 37, chaque 17. Erreur, elle a été payée cash, hein, Lies. Ah bah là, face à une formation comme celle-ci, si on choisit pas de prendre des points, si on fait des fautes demain, eh ben la preuve, ils ont mis deux essais en compte, si je me souviens bien. On va revoir les essais, Lies. Marc va nous les remettre avec ce premier essai. Ah oui, deux essais en contre en première mi-temps. Très juste. Alors on voit que. Voilà, il joue bien hein, entre les joueurs, entre les lignes. Irvan De Martino. Aïe aïe aïe. Première mi-temps. Et là on va voir, regarde la réaction de la Bièvre. En deuxième, Lies. Ah, moi je trouve que l'arbitre a été plus ou moins correct. Ouais, il n'y avait rien de choquant. Hein. Après, c'était un match, il y avait du public, il y avait du monde, Lies. Tiens, regarde. On revoit encore cette vitesse. C'est pas bien ça de jeter des verres. Non, c'est sûr que c'est pas bien. C'est dommage. Tiens, regarde cette passe magnifique. Ça, c'est un bel essai, ça. Très, très bel essai de 80 mètres. Ouais, de Roya. Ouais, qui s'arrache. Ouais, mais ils étaient plus forts aujourd'hui. Ils l'ont prouvé, ils l'ont montré. Oui. Malgré tout le cœur, malgré tous les supporters qu'il peut y avoir, ça a été une après-midi maîtrisée. On a eu quelques belles actions. Et cet essai de l'espoir hein, pour la Bièvre. Mais là, celui-là, il va faire mal. Marini qui va gratter, qui ramasse le ballon. On est en retard, Rio en retard. Marini qui échappe à premier plaquage, un deuxième, il résiste. Le jeu au pied, impeccable. Le ballon reste sur le terrain. Bah ouais, quel jeu au pied, regarde. Et puis derrière, le rebond qui va gêner. On va finir cet essai parce que celui-là, il aura fait très très mal. Hug qui va très vite. Hein. Hug. Ah, regarde, ils sont là, les Montmélianais. Eh ouais, c'est logique. Ils peuvent venir remercier leurs supporters. Montmélian qui chante, qui danse sur le terrain. Alors qu'ils se sont mis en cercle. Valérie Marzullo peut être fier de ses hommes, Algo. Hein. Il peut être fier de ses hommes qui ont tout donné. Ouais, franchement, c'était un match entre deux belles équipes, mais avec une équipe de Montmélian qui a marché sur le championnat et on comprend pourquoi. Complète quand même, très très complète. Et la Bièvre, ils auront mis tout ce qu'ils avaient en valeur, tout ce qu'ils ont mis en puissance. Hein. Lies. Alors Hugo, la question encore une fois. Qui peut arrêter cette machine savoyarde. Il y aura un match retour, mais ça va être très compliqué pour la Bièvre. Là-bas, ça va être le chaudron du côté de Montmélian. En tout cas, nous, Lies, on vous remercie d'avoir été avec nous sur ce live et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau week-end de play-off. Merci, merci beaucoup. Ciao. Merci, Hugo, et merci à tous. Allez, bon week-end à tous.